mademoiselle. Merci, Oscar. Bonsoir, Smiley. Bonsoir. Madame. Où est mon mari? Il n'est pas arrivé encore. Mais il est toujours en retard. Ça fait rien, je commence sur lui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour Lozelle. Bonjour monsieur. Vous êtes ici pourquoi? J'ai rendez-vous avec monsieur Barnier. C'est très important, j'aimerais aussi voir monsieur Barnier. En plus. Des embouteillages de partout, je crois que je suis à la bourre. Comment il est, ton mur? Non, ça va. Il gueule pas trop, ça va? Non, non, ça va. Bon, allez, on attaque. Merci. C'est arrivé ma femme? Oui, bien sûr. Ah, elle a encore piqué mon chauffeur et ma voiture! Mademoiselle? 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 Ah! Oh, laissez pas! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je voudrais voir monsieur Barnier, s'il vous plaît. Pardon? Je voudrais voir monsieur Barnier, s'il vous plaît. Monsieur Barnier? Mais il n'est même pas 8h. Monsieur Barnier dort, surtout le week-end. La nouvelle que je lui apporte est très importante. J'entends bien, monsieur, mais ce n'est pas possible. Bon, écoutez, j'en prends la responsabilité, hein. Ah ben dites donc, prenez pour qui? Pensez tout de même pas que je vais me prendre une avoinée pour 10 euros. Qui dois-je annoncer? Martin, Christian Martin. Oui? Monsieur Barnier, il y a un certain Martin qui demande à vous voir. Non mais vous avez vu l'heure? Ah, vous avez prévenu, il n'est pas de bonne humeur du tout. Je lui dis que vous étiez là, il est foudrage. Il arrive, je m'en vais. Attendez, mademoiselle, je suppose que monsieur Barnier a l'habitude de prendre un petit déjeuner. Évidemment, oui. Ça vous dérange pas de rajouter une petite tasse, hein? J'aimerais bien le prendre avec lui. Prenez des risques. Hein? Je suis pas sûr que c'est le petit déjeuner que vous allez prendre. Ah bon, vous croyez? À ce point-là, là? Mais vous imaginez même pas, avec lui en colère, tout est possible. Et si ça se passe mal, je peux vous appeler? Oui, mais vous ferez comment pour me prévenir? Eh ben, je taperai là-dedans, hein. C'est bien parce que c'est vous. Attendez, mademoiselle. Oh. Ben, qu'est-ce qui se passe, Martin? Hein?
catastrophe? Non, 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 monsieur Barnier, non, non, y a pas de catastrophe, non. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Eh ben, en fait, je... Non, non, mais ça va, tout va bien, ça va. Non, mais vous n'êtes pas un samedi matin à 8h pour me dire que tout va bien. En fait, ce que j'ai à vous dire est absolument capital. Ah, oh, ça peut pas attendre lundi. Oh non, monsieur, non. Bon, allez-y, vous avez 30 secondes, hein. Monsieur Barnier, je sais que vous êtes un homme de cœur, hein, et que derrière une attitude dure se cache une grande sensibilité. Lorsque vous saurez les raisons qui m'ont amené... Bon, arrêtez votre baratin, vous avez déjà perdu la moitié de votre temps, oui, là. Voilà, alors, je suis juste venu vous demander... Eh ben, accoucher. Oui, je suis juste venu vous demander une petite augmentation. Attendez, j'ai rien compris, là, rien. Voilà, je voudrais juste une petite augmentation. Vous foutez de moi? Ah non, monsieur Barnier. Vous êtes tombé sur la tête, vous avez pété un fusible, quoi. Donc c'est non? D'après vous. Lorsque vous saurez les raisons qui m'ont amené ici, vous... Mais je me fous de vos raisons personnelles. Si vous me permettez d'exposer ma situation... Non, allez, c'est fini, je vous permets plus rien, rentrez chez vous, hein. Oui. Et si vous rentrez pas maintenant, lundi matin, direct à l'NPE, compris? Oui, monsieur Barnier, je suis désolé, je vous prie de m'excuser, hein. Le petit déjeuner de monsieur. Mais pourquoi vous avez mis deux tasses? Bah c'est le monsieur qui est parti. Mais quel culot celui-là! Ah mais non, 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 non! Pardonnez-moi monsieur Barnier, hein. J'étais maladroit mais j'ai pensé que de prendre un petit déjeuner avec vous, bah ça aurait été plus facile pour vous parler, hein. Ouais. Monsieur Barnier, je suis amoureux. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Je suis mais raide dingue! Bah ça dingue, je m'en étais aperçu. Raide, si c'est vrai, tant mieux pour vous. Mais enfin, je vois pas en quoi ça me concerne. Je comptais la demander en mariage ce matin, mais moi je peux pas m'engager avec ma situation financière actuelle. C'est vrai que les histoires de cœur sont souvent liées aux histoires d'argent. Je vous ai demandé votre avis à vous. Non, monsieur. Alors, allez, cuisine. Dans la cuisine. Je peux m'asseoir. Et combien vous gagnez chez moi d'abord? 1500 euros brut. Mais c'est très bien ça. Enfin, 1500 euros, je suis désolé, on en fait des choses avec ça. Et combien vous pensez que vous valez? 6500 euros net. Monsieur Barnier, j'ai gravi les échelons peu à peu de votre société avant de devenir, je crois qu'on peut le dire, votre homme de confiance. Alors ça, on le dira plus, hein. Alors si je me suis permis cette petite visite matinale... Vous aimez le thé? Oui. Non, parce qu'il faut me le dire, sinon je vous fais servir autre chose. Non, non, j'aime bien le thé, mais je le préfère sucré. Hein? Deux, c'est possible? Oh, hein? Mais c'est pas vrai. Je vous disais donc, si je me suis permis cette petite visite matinale, c'est pour vous parler d'amour. Vous parlez d'amour à moi? J'y connais rien en amour. Quand vous voyez ma femme, vous comprendrez d'ailleurs. Alors, il s'agit d'une jeune fille dont les parents sont de tradition bourgeoise et qui possède un train de vie très au-dessus de ce que je pourrais lui apporter. C'est à mon employeur que j'admire énormément que je m'adresse. Ah, monsieur Barnier, vous êtes mon modèle. Je vous dois tout. Mais oui, je vous considère un peu comme mon père. Bah, ma fille paternelle n'ira pas jusqu'à vous refiler 6500 euros par mois, ni net ni brut. Capitaux? Oui, monsieur Barnier, mais vous savez, la vie n'est pas simple pour un jeune couple qui démarre dans la vie. Et si je me suis permis d'évoquer ce salaire, c'est parce que c'est celui que m'a proposé François Barou pas plus tard qu'hier. Qui ça? François Barou. Qui c'est ça? Mais c'est notre principal concurrent. Ah, vous voulez dire Bérou? Il a tenté de me débaucher, hein? C'est normal, il n'y a plus personne. Oh là là, la tête qu'il va faire si on l'appelait maintenant. Et pourquoi faire? Bah pour lui dire que vous m'avez augmenté. Et doucement, hein, il n'y a rien de fait encore, s'il vous plaît. Et on ne met pas la charrue derrière les bœufs. Excusez-moi, monsieur Barnier, mais c'est le contraire. C'est-à-dire? Bah vous savez, on dit pas on met pas la charrue derrière les bœufs, on dit on met pas la charrue devant les bœufs. Bon, enfin, les bœufs, tu te les mets où tu veux, hein, je m'en fous. Parlez-moi plutôt de cette jeune fille, là. Oh, c'est un amour. Ah ouais, les parents, quel genre? Ah, c'est des gens très bien, le top. Ouais. Bon, 5000. Combien? Ça va, hein, deux fois 2500, faut pas exagérer, quand même. Ah non, mais je suis super content, moi, j'en espérais pas tant. Ah bah oui, monsieur Barnier, moi, j'avais dit 6500 euros comme ça, mais bon, à 4000... Ah! C'est là où je vois que je vieillis, je perds la main. Bon, enfin, c'est dit, c'est fait. Allez, 5000 euros. D'accord. Monsieur Barnier. Mais quoi encore? J'ai l'immense honneur de vous demander la main de votre fille. Vous voulez épouser ma fille? Vous êtes un grand malade, vous, c'est pas possible. De la part de monsieur Christian Martin. Permettez-moi d'offrir à madame votre femme ce modeste témoignage de ma gratitude. Mais pourquoi une couronne mortuaire? Elle est pas morte. Toutes les femmes ont besoin de fleurs. Mais pas la mienne, allez, poubelle. Vous l'avez connue où, ma fille? Alors, tout à fait par hasard. Il y a un an et demi, moi, je sortais du Racing parce que je joue un peu au tennis. Oh. Hein, oui. Bon, eh bien, je ne savais pas que c'était elle. Et quand j'ai appris qui elle était vraiment, sans savoir qui j'étais, je lui ai pas dit que c'était moi. Ça va, tous les deux? Non, mais je vous gêne pas. Oh, mais c'est beau, les histoires d'amour. Allez les écouter en cuisine, vos histoires d'amour. Bon, j'ai rien compris à votre salade, là, rien du tout. Je vous disais que quand j'ai appris qu'elle était votre fille, je n'ai pas osé lui dire que j'étais un petit salarié de votre société. Ah. Mais oui.
Alors je lui ai dit que j'étais directeur financier d'une très grande société. Voilà. Vous avez un tout petit talent et énormément de culot, hein. Mais enfin, j'espérais autre chose pour ma fille, hein. Bah, évidemment, monsieur Barnier. Vous en convenez? Évidemment. Bon. C'est d'ailleurs pour cela qu'en plus de vos 5000 euros, j'ai pensé que vous pourriez me nommer au poste de directeur financier des établissements Barnier. Eh ben voyons, pourquoi se gêner? Est-ce que ça vous plaît ici, la décoration? Ça vous plaît? Non, parce que si vous voulez, je peux aller dormir dans le jardin. Hein, vous installez chez moi, là, c'est bien. Dites-vous bien, de toute façon, que c'est pas avec vos 5000 euros par mois que vous arriverez à satisfaire les besoins de ma fille. Bah, évidemment, monsieur Barnier. Ah, vous en convenez? Bien sûr, mais j'ai aussi beaucoup réfléchi à cela. Et j'ai peut-être trouvé la solution. Je crains le pire, allez-y. Un jour, mais dans très 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 longtemps, vous allez forcément mourir. Et alors? Et alors, comme votre fille est fille unique, elle va hériter de toute votre fortune. Et alors? Et alors, j'ai pensé que vous pourriez dès maintenant faire une donation, mais d'une toute petite partie, par exemple 1 million. Hein? Ben oui, toute petite partie. Oui. Mais vous êtes un gigolo. Ah. Vous n'en avez rien à faire de ma fille. Non. La seule chose qui vous intéresse, c'est l'argent. Non. En l'occurrence, c'est le mien. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à vous? Le remontant de monsieur. Allez, hop, dans la cuisine. Monsieur Barnier, mon amour est pur, mes sentiments sont sincères. Tiens. Si, je vous assure. D'ailleurs, pour vous prouver ma bonne foi, allez, j'offre à votre fille la totalité de ma fortune. Vous êtes un marrant, quand même. Vous devriez changer de métier. Comique, ça vous va pas mal, hein? Ben, je vous assure. Vous devriez voir Jamel, il cherche du monde en ce moment. La totalité de votre fortune. Mais c'est bien, ça! Et à combien elle se monte, la totalité de votre fortune? 500 000. Oh! C'est en dollars javanais ou en billets de Monopoly? Non. C'est 500 000 euros. 500 000 d'euros. Et comment vous avez fait pour avoir cet argent? Je vous les ai volés. J'ai pas compris, là. Je vous les ai volés. Ah, vous me les avez volés? Ah! Mais enfin, monsieur Brady, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je vais vous faire filer direct en tôle. Mais pourquoi? Parce que le vol est un délit qui est puni par la loi. Mais... Oui, passez-moi le commissaire divisionnaire, s'il vous plaît, pour Barnier. Mais vous appelez qui, là? Les flics, du con. Ah non, mais vous devriez pas, monsieur Barnier. Si la police met le nez dans votre comptabilité, vous allez avoir de gros ennuis. Non, mais qu'est-ce qu'elle a, ma comptabilité? Eh ben, il y en a deux. Il y a l'officiel et la noire. Oui, vous m'avez demandé. Mais non. Allô? Oui, ben, je vous appelle plus tard. Oui. Non, ben, il n'y a pas d'urgence. Voilà, je vous appelle plus tard. Vous êtes un voyou. Hein? Vous êtes un fripon. Une canaille. Vous n'étiez pas un trader à la Société Générale, vous? Ah, ben, pas du tout, monsieur Barnier, pas du tout. Ah bon? Ah non, moi, j'ai tout appris au Crédit Lyonnais. Vous n'avez pas un peu honte de m'avoir volé? Moi qui avais confiance en vous. Si. Oui, j'avais confiance en vous. Oui, mais j'ai eu un peu honte, monsieur Barnier. Ah bon? Mais oui, mais si les moyens sont discutables, l'objectif reste noble. Si on ajoute les 500 000 euros aux millions de donations que vous pouvez faire, ça fait 1,5 million. Bon. Et là, c'est pas mal pour un couple qui démarre dans la vie. Oui, hein, c'est pas mal, hein. Et ma fille est au courant de toutes vos petites magouilles? Oh non, j'ai pas osé lui dire la vérité. Ouais. Je suis un garçon réservé, vous savez. Et même parfois un peu timide. Non. Oui. Eh ben, je m'en étais pas rendu compte, vous voyez. Oh non, mais c'est terrible. Moi, parfois, c'est horrible. Ça bousille la vie. Hein. Et vous pensez qu'elle reste être amoureuse de vous si elle savait tout ça? Ah, je le crois, monsieur. Enfin! J'ai une bonne turbo, maintenant. Et vous pensez qu'elle serait toujours amoureuse? Eh ben, je vais lui demander. Non, j'ai pas osé lui dire que j'étais venu ici, hein, que j'étais venu vous voir. Ah ouais? Monsieur Barnier, vous voulez que je vous dise? Oh, ce matin, avant de venir, c'était horrible, j'avais une grosse boule dans l'estomac, là. Ouais. Et puis là, c'est fou, quoi, c'est parti. Oh bah oui, avec tout le pognon que vous m'avez pris, c'est pas étonnant, hein. Dites-moi, je peux vous appeler Bertrand? Non. Mais vous appelez pas Bertrand Barnier? Je m'appelle Barnier, mais pour vous, mon prénom, ça sera monsieur. Hein? Capito, Martino? Et pourquoi Martino? C'est Martin en napolitain, si vous voyez ce que je veux dire. Au revoir, monsieur Barnier, au revoir. Julie! Bonjour, mon lapin. T'as bien dormi? Écoute, tu vas arrêter de m'appeler par des noms d'animaux, je ne suis pas ton gros lapin.
Pourquoi, c'est très gentil, un gros lapin. Ouais. Ce matin, mon lapin est au mauvais humeur. Bon, arrête de faire ta bécassine, hein. Je te préviens, je suis au courant de tout. Bah, tout quoi? Tout. Fais pas semblant de pas comprendre. J'attends tes explications, allez. Mais à quel sujet? Au sujet de ton amant. Au sujet de ta maman. Tu l'as pas vu il y a longtemps, ta maman? Allez, j'écoute. Ton amant, ton amant, je vois pas ce que tu veux me dire, là. Ah ouais? Eh ben, ton amant, il sort d'ici. Il vient de te demander en mariage. Il veut m'épouser? Je te dis qu'il sort d'ici à l'instant. Alors, tu veux bien? Écoute, tu feras ce que tu veux. Mais moi, je suis totalement opposé à ce mariage. Vous avez des ennuis, mademoiselle Julie? Bah, Oscar vient de me demander en mariage et forcément, mon père veut pas. Et vous êtes amoureuse, bien sûr? Bah oui, je suis amoureuse de lui. Puis j'en ai marre de vivre dans cette maison, de pas pouvoir faire ce que je veux. Moi, mon plus grand rêve, c'est de faire du théâtre, mais ça non plus, il veut pas. J'ai une idée. La semaine dernière, j'ai vu un film génial. Il y a une fille qui est amoureuse d'un homme, elle veut l'épouser, mais ses parents veulent pas. Alors elle fait croire qu'elle est enceinte. Et alors? Et alors ses parents sont obligés de dire oui. Bon, c'est pas 100% garanti, mais ça vaut le coup d'essayer. Non, mais enfin, Juliette, vous imaginez si je dis ça à mon père, mais il fait une attaque. Sûrement. Mais après l'attaque, il sera forcé d'accepter. Ne vous inquiétez pas, monsieur Julie. Je suis là à vos côtés. Alors, vous lui annoncez la nouvelle, et s'il y a un problème, j'arrive et je lui fais le coup du marabout. Madame, je vous adore, Juliette. Oh, je connais bien les hommes, vous savez. Tu vas faire mouiller. Écoute, arrête de faire la sirène. Papa, il faut que je te dise quelque chose au sujet de mon fiancé qui va faire l'effet d'une bombe. Ouais, bah ça m'étonnerait, ton fiancé m'a tout raconté. De A jusqu'à P. Bah justement, c'est après le P. Qu'est-ce qu'il y a après le P? C'est Q. À ce sujet-là, nous avons décidé de t'appeler Charles Amédée. Mais qui ça? Bah l'enfant. Mais quel enfant? Bah notre petit enfant, tu comprends pas? Non. Ah! C'est pas possible. Alors là, je te préviens, je t'interdis absolument. Jamais j'accepterai que tu l'appelles Charles Amédée. Non mais... Quelle horreur! Mais enfin, comment veux-tu qu'on l'appelle? Charles, ça suffira. Ça veut dire que t'es d'accord? Est-ce que j'ai le choix? Arrête, arrête. Tu pèses. Juliette! Oui? S'il vous plaît, donnez-moi, je sais pas quoi, du cachet d'aspirine, quelque chose, parce que j'ai vraiment la tête comme ça. Puis, quelque chose pour me remonter un peu, parce que vraiment, depuis ce matin... D'accord, monsieur a besoin de... Non mais dis donc! Mais c'est pas croyable, vous croyez où? On a sonné. On insiste. Non mais dites! C'est une jeune femme qui demande à parler à monsieur Barnier. Ah ben c'est certainement pas le moment de recevoir des jeunes femmes. Oui, mais elle dit que c'est important. Oh, allez. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes bien monsieur Barnier? Malheureusement, oui. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est très important. Et c'est important pour qui? Pour moi, monsieur. Ah. Je suis dans une situation désespérée. Alors ça, si ça peut vous consoler, moi aussi. Je suis amoureuse. Eh bien, c'est très bien, je vous félicite. C'est la journée des amoureux. Il s'appelle Christian Martin. Voilà, la mère continue. Pourquoi? Parce qu'il sort à l'instant pour me demander la main de ma fille. Ah non, monsieur, ce n'est pas possible. Ben, non seulement je vous dis que c'est possible, mais c'est certain. Bon, je comprends votre déception, mais enfin, vous êtes jeune, jolie, apparemment en bonne santé. Vous verrez, vous vous en remettrez. Il faut que je vous avoue quelque chose, monsieur Barnier. J'ai menti à Christian. Alors là, je vous garantis que c'est pas grave et qu'il va s'en remettre. Je lui ai menti sur moi, sur vous. Sur nous deux. Comment ça, sur nous deux? Oui. Mais enfin, on vient juste de faire connaissance. Qu'est-ce que vous insinuez? Je lui ai fait croire que j'étais votre fille. Ah, vous m'avez fait peur. Je lui ai dit que vous étiez mon père. Ah ben, je suis pas gogol, hein. Si vous lui avez dit que vous étiez ma fille, il a forcément compris que j'étais votre père. Cette demande en mariage qu'il est venu vous faire, oui. C'était pour moi. Mais c'est pas possible! Mais qui a fait un enfant ma fille alors? Mais et vous, pourquoi ce mensonge? Si vous saviez dans quelle situation je me trouve, j'ai pas connu mon père, ma mère, elle a été malade pendant très longtemps, et elle galère toute seule pour s'en sortir. Et moi, je suis qu'une pauvre petite employée qui travaille à mi-temps aux pompes funèbres. Bah, je reconnais que c'est pas très gai tout ça. Asseyez-vous. Ah,
Où l'avez-vous connu, Christian? Ah, tout à fait par hasard, devant le Racing. Celui qui est au bois de Boulogne, là? Oui. Il s'en passe des trucs, hein, dans ce bois de Boulogne. C'est pas possible! Christian était directeur financier d'une grande société et qui gagnait très très bien sa vie. Ben, je n'ai pas osé lui dire qui j'étais. Mais pourquoi m'avoir choisi moi comme père? Ben, quand il m'a demandé mon nom, j'ai dû lui mentir. Je m'appelle Bourrin. Ouais, alors, je reconnais que Bourrin, ça aide pas dans la vie. Hein. Donc, quand il m'a demandé mon nom, ben, ouais. J'avais devant moi une pub sur les produits cosmétiques Barnier. C'est comme ça que je lui ai annoncé que je m'appelais Clara Barnier. Ben, c'est malin. Là, il a changé de tête. Il m'a dit, comme c'est drôle. Hein. Ah ben, je vous le confirme, c'est même carrément à pisser de rire. Monsieur Barnier, s'il vous plaît, ne dites pas la vérité. Ha. Écoutez, mademoiselle Canasson. Bourrin. La même chose. Je vous promets de ne rien dire à Christian, mais une condition. Vous allez m'attendre dans le jardin et vous n'en sortez que quand je viens vous chercher. Oh, alors là, monsieur Barnier, je ferai tout ce que vous voudrez. C'est promis, hein? Voilà. Oh, merci. Oh. Brigitte! Oui, qui m'appelle? C'est moi! Qui ça, moi? À ton mari! Mais attends! Pourquoi t'en as d'autres? Voilà, 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 j'arrive! Oui. Que se passe-t-il? T'en fais une tête! C'est ma tête! Bon, j'ai une chose à t'apprendre. Figure-toi que ta fille a un amant. Moi aussi! Mais enfin, comment ça, toi aussi? Je dis, moi aussi, j'ai quelque chose à t'apprendre. Ah, tu m'as fait une fausse joie, dis. Ta fille a un amant. Mais je viens de te le dire. Mais je le savais déjà, mon chaton. Écoute, les chatons, les lapins, les coqs, les abats-cours, j'en ai marre. Je suis pas à la ferme. Est-ce que tu peux être tendu, on dirait qu'il y a des problèmes en ce moment. Oui, j'ai des problèmes. Oh. Peut-être que t'es au courant, ta fille attend aussi un enfant. Mais je le savais déjà, mon chéri. Enfin, c'est pas possible. Tu sais déjà et tu savais pas qu'elle n'a pas de père. Mais le père de nos jours, tu sais... Oh, c'est dingue, ça. Ben, tiens, tu tombes bien, toi. Tu m'as bien dit ce matin que ton amant devait venir te demander en mariage. Mais non, papa, c'est le contraire. C'est toi qui m'as dit qu'il était venu. Oui, mais enfin, bon, c'est la même chose. Je voudrais bien savoir qui est-ce. Ben, tu le sais, puisqu'il est venu. Oui, mais j'aimerais l'entendre de ta bouche, tu vois, voilà. Sois mignonne, chérie, dis-le à papa. Voilà. Eh ben, c'est Oscar. Oui. Oscar, mais c'est qui, Oscar? Ton chauffeur! Non! Ma fille attend un enfant de mon chauffeur! Mais faire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, je ne vois pas en quoi c'est un si grand malheur. Il est très bien, les garçons, voyons. Bon, écoute, arrête de brailler, puis dis pas n'importe quoi, quand même! Enfin, mon chauffeur! Maintenant, il me reste plus qu'à essayer de bouffer avec lui. Comment veux-tu l'inviter pour un dîner? Tu as... Oh, je ne sais plus ce que je dis, tu me troubles. Comment veux-tu l'inviter à dîner, puisque tu l'as viré? Pourquoi tu l'as viré, d'ailleurs? Je l'ai viré parce qu'il m'emmerdait, figure-toi. Oh. Il n'arrêtait pas de me dire, monsieur, il faut que je vous parle. Ah, j'ai un truc très important à vous dire. La dernière fois, je lui demande d'aller à la Bastille, il me mène à la République. Et je rate mon train à mon avion. Je lui dis, viens vite aller à la gare. Tu sais ce qu'il fait pour aller à Nice? Il m'amène Gare du Nord. Oh. Ah, j'ai compris maintenant. Je vois pourquoi. Enfin, vous conviendrez que ma fille enceinte de mon chauffeur, je suis quand même un peu déshonoré. Oh. Déshonoré? Ah bah je te plains, papa. Déshonoré? Mais enfin, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Personnellement, je préfère que ma fille soit amoureuse d'un chauffeur séduisant, gentil, moyennement intelligent, bon, plutôt que de se faire épouser par cette espèce d'aristocrate, là. Comment s'appelle-t-il, ce baron avec des boutons plein la figure? Le baron de la boutinière. Oui. Madame Barnier! Oh, permettez-moi de vous appeler belle-maman! Pourquoi ce jeune homme va-t-il m'appeler belle-maman? Votre mari ne vous a pas dit que j'étais venu ce matin demander en mariage votre fille? Julie? Non, pas Julie, l'autre! L'autre! Oui, l'autre, quoi! La plus jeune, la cadette, enfin la dernière! Tu deviens fou, Bertrand! T'as les fils qui se touchent! Bon, allez, laisse tout, il faut que je parle avec Christian Martin. Je vous laisse, je m'avais complètement à la masse, tous les deux. Mais je ne savais pas que vous aviez deux filles. Moi non plus. Pardon? Si. Eh ben évidemment, mais c'est elle qui... Elle me trouble, elle me prend la tête comme ça. Ça fait 30 ans qu'elle me prend la tête comme ça. 30 ans. Alors au début, bon, je l'ai épousée parce que... Elle était jolie d'abord, puis en plus... Ah oui? Ah, c'est vrai? Oh. Elle était propriétaire d'une énorme affaire. Ah oui? Ah oui. Et c'est quel genre d'affaire? Oui. On peut dire que c'est une affaire de public relations. Ah oui? Et où ça? À Barbès. Ah,
Barbès. Oui. Oh, Barbès. Bon, mais c'est pas le problème qui me préoccupe, figurez-vous. Moi, j'ai un petit souci. Hein? C'est, je voudrais bien savoir comment vous allez faire pour me rendre mon argent au cas où vous changeriez d'avis au sujet de ma fille. Oh non, vous en doutez, monsieur. Oh non, un homme honnête tel que vous, comment pourrais-je en douter? Mais enfin, on sait jamais ce qui se passe, vous savez, dans la vie, une chute de Vélib, vous glissez sur un roller, amnésie totale. Oh, mais là, vous voyez les choses en noir, monsieur Barnier. C'est souvent comme ça qu'on arrive à se faire une petite vie bien en rose. Alors moi, j'aimerais que vous me donniez, en attendant, au cas où, un petit chèque de garantie. Mon cher futur beau-papa, vous pensez tout de même pas que j'ai mis cet argent à la banque? Qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai préféré le convertir en diamant. En diamant? Oui. Oh, ça, c'est une bonne idée. Merci, monsieur. Donc, il y a 500 000 en diamant, maintenant? En diamant, oui. Oh, ça, c'est génial. Ah, oui. Ça, c'est bien. Eh bien, vous me donnez une idée. Eh bien, pourquoi pas, pour montrer à Julie à quel point vous l'aimez, pourquoi vous ne lui feriez pas un cadeau de fiançailles, les diamants? Julie, votre aînée? Ah, excusez-moi, non, je me trompe tout le temps. Julie, Clara, je les confonds tout le temps. Faut dire que ça se prononce un peu pareil, hein. Clara, Julie, Julie, Clara. Bah, pas vraiment. Bah, si, bah, si. Bon, enfin, disons, pour montrer à Clara que vous l'aimez, en cadeau de fiançailles, vous lui offrez les diamants. Ah, mais ça, c'est une bonne idée. Très, hein? Très bonne idée, monsieur Barnier. Bah. En plus, c'était pour elle, c'était pour nous. Enfin, bon, c'est pareil. Je vais aller les chercher. Allez vite les chercher. Dites-moi. Oui. Martin, venez voir, là. Je... Vous n'auriez pas de nouvelles de mon ancien chauffeur, par hasard? Oscar? Oui. Vous n'êtes pas au courant? Non. Ah, il vient d'avoir une terrible déception amoureuse. Ah, oui, oui, il était fou amoureux d'une fille. Seulement, cette fille avait un père. Enfin, un père, si on veut, c'était une espèce de furie ambulante, quoi. C'était un débile dangereux. Oh, vous n'exagérez pas un peu? Non, il n'a pas voulu me dire qui c'était, mais il paraît que c'était un véritable cake. Un cake? Oui. Un cake? Mais c'est quoi ça, un cake? Un cake? C'est un barbare en cravate, un despote, un tyran, quoi. Bon, ça va, laissons tomber le père. Du coup, voyant son amour impossible, Oscar a fait une énorme bêtise. Oh non! Oh, ne me dites pas qu'il s'est... suicidé? Non. Oh. Mais c'est tout comme, il s'est engagé dans une action humanitaire en Ouganda pendant 5 ans, alors qu'il y a la guerre. Non. Vous vous rendez compte? Alors, s'il en revient, hein, je vais chercher les diamants pour Clara, monsieur Barnier. 5 ans en Ouganda? Mais quel imbécile! Monsieur Barnier, il faut que je vous parle. Oh, vous croyez pas que j'ai ma dose depuis ce matin? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Oui, monsieur, c'est important. C'est urgent? Oui, monsieur. Allez-y. Eh bien voilà, monsieur, je ne peux plus rester à votre service. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé une meilleure place ailleurs? Mieux payé? Pas du tout, monsieur, mais c'est que... je me marie. Non. Bah si, pourquoi? Bon, la bonne se marie maintenant. Mais il n'y a que dans cette maison qu'on voit des trucs pareils. Mais c'est incroyable. Mais attendez, pendant que j'y pense, votre futur mari sait conduire? Conduire? Ouais, faire conduire une voiture, quoi. Oui, oui, très bien, monsieur, même qu'il a son permis avec tous ses points. Eh bien, vous avez ma bénédiction. Comme ça, je vous conserve à mon service, et lui, je l'engage comme chauffeur. C'est pas une bonne idée? Mais vous plaisantez, très cher, je vais épouser un baron. Un baron? Mais un baron de quoi? Un baron, fils de baron, petit-fils de baron, d'ailleurs. Il y a que des barons chez eux, on peut pas mieux faire. Ah, ça, c'est déjà ce que j'ai entendu dire sur le baron de la boutinière, là. Non, non, monsieur, ce n'est pas comme le baron de la butinière, car c'est le baron de la butinière. Non! Mais vous n'allez pas épouser ce gros boutonneux! Enfin, on dirait que la foutie! Je fais remarquer à monsieur que monsieur le baron n'a plus de bouton du tout. Ah bon? Et comment il a fait? Oh, ce n'est certainement pas grâce aux crèmes Barnier qui sont un peu bidons. Ah, dites-donc, un peu de respect, non? Mais grâce à moi, en 2 ou 3 séances et hop, plus de boutons. Mais des séances de quoi? Monsieur comprend pas? Non. Monsieur veut que je lui fasse une petite démonstration? Non, mais ça va pas, non, mon frère! Mais qu'est-ce que c'est que cette manière? Et puis, de toute façon, vous me devez un mois de préavis. C'est la loi. Oh bah, vous, le droit du travail, c'est quand ça vous arrange. Hein. Mais si monsieur veut que je lui fasse mon préavis, je le ferai. Et bah, puisque vous le prenez comme ça, et bah, prenez vos clics, prenez vos claques et foutez le camp. Et bah, puisque c'est comme ça... Oh. Voilà, je vais faire ma valise. Bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Brigitte! Qui m'appelle encore? C'est moi! Bertrand! Toujours le même! Voilà, voilà, parfaitement, j'arrive! Ça continue! Quoi? J'ai 2 nouvelles à t'apprendre! Oui! La première, c'est que la bonne, elle se barre chez le baron boutonneux! Et la deuxième, le baron boutonneux a plus de boutons grâce à la bonne, devine pourquoi? Non! Elle lui a fait 2-3 séances de je sais pas quoi, comme ça, là, il n'y a plus de boutons! Bertrand, tu n'es pas en ton état normal depuis ce matin! Oh!
En tout cas, je l'ai virée, elle ira faire la bonne chez le baron. Et c'est pas... Non. Et alors, en plus, pour tout arranger, figure-toi, cet imbécile d'Oscar, il est parti 5 ans en Ouganda dans une action humanitaire alors qu'il y a la guerre. Mon Dieu, parce que nous sommes en guerre. Mais pas nous, l'Ouganda. Pauvre garçon, mais tu vois dans quelle merde ça nous met, tes extravagances. Oh. Il faut que je lui trouve un mari. Ça va pas être facile dans l'état dans lequel elle est. Mais un mari, 118-912. En fait, tu n'as pas dit qu'un jeune homme était venu ce matin demander la main de notre fille. Comment s'appelle-t-il? Christian Martin. Martin? Le Martin du bureau, le tien? Bah, j'en connais, tiens, c'est lui. Et ce jeune homme qui était là tout à l'heure, comment s'appelle-t-il? Christian Martin. Ils s'appellent tous Martin. Évidemment, c'est le même. Dans ce cas-là, il doit l'épouser. On ne revient pas sur sa parole quand on est un garçon honnête. Le problème, c'est que l'honnêteté, c'est pas ce qui le caractérise. Dis donc, tu m'écoutes? Non. J'ai l'impression que depuis ce matin, tu es incapable de prendre une décision. À partir de maintenant, c'est moi qui commande. Ah bah, on va se marrer. C'est toi qui commande. Il y a pas de problème. Tu vas voir ce que c'est que de prendre les choses en main. Chérie, tu ramènes ton string dans le salon. Je vais te la montrer, moi, l'autorité. Julie, t'épouses Martin. C'est qui? Tu discutes pas, sinon je t'éclate. C'est l'homme de confiance de ton père, un type très bien. T'épouses Martin et puis c'est tout. Enfin, maman, t'as... T'épouses Martin et tu fermes ta gueule, là. Et tu vas ranger ta pioule qui est un bordel noir. Et tu te bouges le cul. Ah, que je me bouge le cul. Que je me bouge le cul. Mais c'est quand même pas ma faute à moi si ma piole c'est un bordel noir et comme tu le dis c'est bien qu'il faut que je me bouge le cul. C'est pas moi qui verrai la bonne, si, et toi tu sais qui c'est qui l'a viré. Et toi là, par hasard tu saurais pas qui c'est qui a viré la bonne. Tu l'as foutu à la porte parce que tu voulais pas qu'elle aille épouser le baron boutonné. Ah mais oui tu sais le clafouti, ah oui ça c'est sûr hein. Alors du coup maintenant la bonne elle est devenue baronne. Donc nous avons tout vu dans cette maison, une bonne qui devient baronne, moi je me casse hein. Quant à toi, t'as viré la bonne, tu vas ouvrir. Besoin de rien, réveille-toi. Là-dedans, tu où, monsieur Barnier? Oh, montrez-moi vite. Oh, je vous montre ça, regardez. Ah, oh, on dirait un casse, hein. Oh là là, mais c'est un hold-up que vous avez fait, c'est génial. Bravo, je vous félicite. On referme. J'ai une bonne nouvelle. Ah. On va l'appeler Charles. Qui ça? L'enfant. Quel enfant? Votre enfant. Non. Oui. Un bébé, elle attend un bébé, mais c'est pas possible, pourquoi elle m'a rien dit? Bah parce que c'est tout récent, ça date de ce matin. Mon cher futur beau-papa, je suis le plus heureux des hommes. Oui, bah, moi aussi, je suis heureux. Mais j'ai toujours pas réglé mon petit problème qui me préoccupe. Mm-hmm. Vous pouvez me dire ce qui arriverait à cet enfant si son père lui arrivait quelque chose? Oui. Ah oui, oui, il faut être un peu responsable dans la vie. Vous avez raison, monsieur Barnier. Écoutez, je vais aller chez un notaire, je vais rédiger un testament et puis j'en ferai mon héritier. On va pas déranger un notaire pour ça. On peut très bien signer un papier pour que vous puissiez reconnaître votre paternité. Vous me donnez l'impression de ne pas avoir confiance en moi, monsieur Barnier. Mais si, comment pourrais-je douter de vous? Ces diamants, qui me garantit que vous me les rendrez une fois que je l'aurai épousé? Eh bien, moi aussi, je fais un papier. Vous signez « Je reconnais Christian Martin être le père de l'enfant de mademoiselle Barnier. Mm-hmm. » Et vous, je sous-signais Bertrand Barnier, m'engage à restituer à ma fille la somme de 500 000 euros en diamants le jour où elle épousera Christian Martin. C'est comme si c'était fait. Allons-y. Voilà, vous avez un stylo à papier et chacun écrit de son côté. Voilà. Je peux, hein. Il n'y a rien qui vous gêne, hein. Oh non, il n'y a rien qui vous gêne, rien. Alors, je sous-signais Christian... Barnier. Reconnaît être le père... de 500 000 euros. Qu'attend ma demoiselle... le jour où, virgule... Clara Barnier. Non, dans un papier comme ça, Clara Barnier, ça fait un peu prétentieux de ça. Mettez simplement le jour où mademoiselle Barnier. D'accord. Mademoiselle, pas la peine de nous mettre Clara. C'est vrai, vous avez raison, pas mettre mademoiselle Barnier. Ah, et vous signez là. Mais oui, vous signez aussi. Oui, hein. Oui, moi je... Voilà. Oh là là, c'est bien. Très bien. J'espère qu'elle va être contente. Le stylo, s'il vous plaît, le stylo. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Tenez, monsieur Barnier, c'est une fâcheuse manie. Alors, tenez. Voilà. Oh, j'espère qu'elle va être contente, hein. Moi, je suis sûr qu'elle va être folle de bonheur. Dites-moi, je peux vous tutoyer maintenant? Non, pas tout de suite. On a le temps. On a tout notre temps. Voilà. Tiens, si ça vous dérange pas, vous pouvez m'attendre dans la salle de billard. Bien sûr, hein, monsieur Barnier. Bien sûr. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Mademoiselle Clara. Voilà. Écoutez, tout se présente très bien. Je dois vous dire que Christian est arrivé, qu'il est dans une très bonne forme, et vous allez pouvoir lui dire toute la vérité. Mais vraiment, videz votre cœur, dites tout ce qui s'est passé, et tout va bien se passer. Et puis, pendant que vous y serez, je compte sur vous pour lui dire que je le remercie beaucoup pour ma valise. Quelle valise? C'est celle-là, mais lui, il comprendra, vous verrez, il aura arrêté. Et puis, aussi, pensez à lui dire qu'il faut qu'il cherche un nouveau boulot. À cause de moi? Oh, bien sûr que non, mais vous n'y êtes pour rien du tout. Alors, il est dans le salon de billard, là, vous voyez, juste derrière. Allez, bonne journée, hein, à très bientôt, mademoiselle Clara. Christian! Clara! Christian! Oh, mon amour! Oh, Christian! Ton père est l'homme et le plus charmant de la Terre. Christian, il faut que je te dise quelque chose. Non, ne dis rien. Mais chut, ma petite princesse! Oh non, Christian, ne m'appelle pas comme ça. Je n'ai rien d'une princesse. Mmh. Tu vas sûrement être déçu. Il n'y a rien qui peut me décevoir de toi. Je t'aime. Oh. Alors, je dois te dire la vérité. Mais moi aussi, je dois te dire la vérité. Moi d'abord! Non, 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 moi d'abord. Voilà, je travaille depuis 4 ans chez ton père. Ah, chez mon père. Le problème, c'est que je ne suis pas sa fille. Comment ça, t'es pas sa fille? Non, non, je ne plaisante pas, je ne suis pas sa fille. Mais c'est pas possible. Christian, quand on s'est connus, je t'ai menti. Tu as une belle situation, je n'ai pas osé dire que j'étais une petite employée. Tu m'as demandé mon nom. Bah, j'ai vu une pub pour Barnier. Je dis Barnier. C'est pas vrai, t'as pas fait ça, là! Non, 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 mais c'est pas la peine de te mettre dans un état pareil, c'est pas si grave que ça! Mais comment ça, c'est pas si grave? Mais comment ça, c'est pas si grave? Oh, hé, monsieur Barnier m'a dit de te remercier de lui avoir rendu sa valise. Oh, putain! Il lui dit aussi que tu dois chercher un nouveau boulot. Oh, putain! Oh, le salaud! Il me pique ma valise et en plus, il me vire! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de valise? Mais il y a tous mes diamants dedans! Tes diamants? Tu en as pour ça 100 000 euros, mais est-ce que tu te rends compte? C'est ça tout l'amour que t'as pour moi? Mais non, Clara, mais ça n'a rien à voir avec toi. La vérité, c'est que tu m'aimes pas. Il y a que l'argent qui compte pour toi. Clara, Clara! Laisse-moi! Je déteste! Elle est belle, Christian! Oui, monsieur Barnier, on pouvait être fier de vous, là. Oui, vous êtes très fort, hein. Mais pas du tout, n'exagérons rien. Simplement, bon, on boxe pas dans la même catégorie. Hein? Vous êtes encore en championnat de France amateur, là. Hein? Ouais, moi, je fais le championnat de France de première division. D'accord, mais ça, c'est une belle moralité, hein. Oh, sur la moralité, je vous mieux pas qu'on en parle. Bah, laisse tomber. Mais enfin, comme je suis fair play, je vais vous faire une proposition qui va vous permettre de vous refaire. Laquelle? Eh ben, on tient nos engagements. Voilà. Mmh. Moi, j'ai signé que je vous donnais la valise, je vous la donne. Et vous, eh ben, vous prenez ma fille. En somme, vous êtes en train de me faire un lot. C'est la valise et la fille. Si vous voulez, vous pouvez le dire comme ça. Non, ben, c'est pas la peine. Non, non, merci, monsieur Barnier. Non, non. Mais attendez, vous oubliez, vous avez signé un petit papier, là. Et alors? Et alors, vous avez reconnu être le père de l'enfant de ma fille. Parce que votre fille attend réellement un enfant? Bah évidemment! Et pourquoi elle épouse pas le vrai père? Parce qu'on sait jamais où il est, c'est un courant d'air! Et vous m'avez choisi, moi, pour devenir le futur mari de votre fille! C'est un honneur, non? C'est un honneur, mais ça n'est pas très honnête, monsieur Barnier! Mais c'est pour ça qu'on est fait pour s'entendre! Bon, elle est comment, votre fille? Ah, très 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 jolie! Mmh. Ah oui, elle est aussi très très chiante, hein? Bon, bon. Bon, on peut la voir avant de se décider? Non, mais vous, vous croyez où? Au souk à Marrakech, là? Vous pouvez la voir? Vous ne voulez pas toucher, au plus? Oh, bah, monsieur Barnier, enfin, enfin! Il faut quand même que je la voie, non? Peut-être, mais enfin, ça demande un peu plus de dossier. Oui. Qu'est-ce que c'est que c'est? On peut la voir? Non, mais monsieur... Bon, enfin, je vais lui demander. Faites pas attention, là, elle sort du lit, hein. D'accord. Mais quand elle est pomponnée, elle est... Ah ouais, elle est superbe. Julie! Mais là, elle est un peu... Julie, voilà, je te présente Christian Martin. C'est ton futur mari. Mon futur mari. Hé, hey, tu vois ce que je veux dire, hein? Alors, comment vous la trouvez? Bah, elle est jolie, mais elle est un peu jeune. Bon, et toi? Oh, bah, il est moche et puis nettement trop vieux, surtout. Alors, tout s'arrange. Écoute, c'est pas encore fait, ils sont pour l'instant très intimidés, ils font juste connaissance. Oh, il a le regard doux et profond. Ça n'a pas l'air d'être une lumière. Moi, joli garçon qu'Oscar, mais il a quand même beaucoup de charme. Qu'Oscar? Parce qu'Oscar est le père du bébé, mais j'aurais dû m'en douter quand il me parlait du cake. Hé, hey, n'oubliez pas le petit papier signé. Hein, vous voyez? Hein?
Le petit papier signé, oui, il est là. Bertrand, c'est pas en menaçant ce jeune homme que tu vas éveiller en lui les sentiments amoureux pour l'autre fille. Mais parce que toi, tu mélanges tout. Tu mélanges les affaires et les sentiments. Mais pas Christian Martin. Lui, il sait toujours où est son intérêt. Fais-lui confiance. Hein? Allez, ça va s'arranger. Faites connaissance, les tourtereaux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors comme ça, vous êtes amoureuse d'Oscar? Bah oui, je suis amoureuse de lui, mais il est parti, alors maintenant je le retrouve toute seule. Bah moi aussi, ma fiancée m'a quittée. Bon, vous savez sûrement que votre père me demande de vous épouser et de reconnaître l'enfant. Ah oui, mais moi je peux pas oublier mon Oscar comme ça en claquant des doigts. Ah mais attendez, moi j'ai rien demandé, moi. Hein. Cela dit, si on était amené à se marier, bon bah on se verrait pas souvent, hein. Le moins possible même. Hein. Et bah vous voyez, ça me va. Parce que du coup, si on se marie, vous ferez tout ce que vous voudrez, puis moi je fais tout ce que je veux. Ah non, moi je ferai ce que je voudrais et vous ferez ce que je voudrais. Bon, ça me va pas du tout, ça. Bon, mon objectif principal dans la vie, c'est de faire du théâtre, mais ça non plus, il veut pas. Bah, vous savez, là je lui donne pas tort, hein. Le théâtre est un peu un milieu comme ça. Hein. Ah non, mais décidément, j'ai vraiment l'impression d'avoir mon père en face de moi. On a plus de bonne, faut que j'aille ouvrir. Ouais. Ah, oh, je m'excuse. Mademoiselle Julie, je suis même pas en retard. Oh. Philippe est le coach de papa Christian Martin. Ah, monsieur Martin. Ah, ça fait mal, hein, ça pique. Vous allez prévenir papa. Dites donc, vous êtes costaud, vous, hein? Il paraît, oui. Ah là là, une musculature pareille, ça fait rêver, hein? Ça fait rêver qui? Oh non, monsieur Philippe, non, je vous en prie. Dites-moi, je vous ai pas déjà vu quelque part? Avec le palmarès que j'ai, vous m'avez pas reconnu? Mm-hmm. J'ai été en finale du championnat de France de catch contre le bourreau de Béthune. Oh, mais oui, c'était ça, le bourreau de Castelnaudary, mais c'était vous! Eh oui. Et alors? Mais alors, ça s'est joué un poil de rien, moi. Mm-hmm. Mais attention, j'ai quand même fini second. Ah, mais comme tout leader, hein. Ah, poupou. C'était pas une pompe à vélo, celui-là, hein. Dites-moi, vous êtes marié, vous? Non, pourquoi? Non, comme ça, je vous trouve beau, je vous trouve lumineux, moi, hein. Vous devez avoir du succès auprès des filles, hein. On se plaint pas trop. Bah, écoutez, monsieur... Martin. Bah, il en faut pour tous les goûts, hein. On bricole un petit peu, quoi. Mais il y en a qui en ont plein la tête comme ça, et puis qui sont gaulés comme des cannes à pêche, hein. Et puis d'autres, peut-être un peu moins fertiles au niveau du bulbe, mais qui par contre ont un corps d'athlète. Oh. Une petite question comme ça, vous aimez le théâtre? Le théâtre? Ben moi c'est comme le catch, j'adore! Oh monsieur Philippe, franchement on se connaissait pas, mais je vous apprécie beaucoup. Ah. Bon, c'est bon, ça va aller. Ça. Bon allez, c'est à vous un peu parce que... Ah, je vais préparer mon massage. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Je m'échauffe! Ah d'accord. Jamais un massage sans échauffement, monsieur Philippe. Oui. Là, attention par derrière. Hein. Mmh. Là, le problème, c'est que j'avance toujours par derrière. Je vais le régler. Mmh. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est l'équilibre. Ah, pas de massage. Pas de bon massage sans équilibre. Mmh. Allez, monsieur... Martin. Allez, à bientôt. Ouais. À bientôt, au revoir. Bah, il est où, Philippe? Il s'échauffe. Toujours un échauffement avant le massage. Hein. Dites-moi, Julie, vous le trouvez comment, vous? Il est trop gentil, mais pourquoi vous me demandez ça? Parce que vous savez que c'est pas seulement un type baraqué et tout ça, vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il adore le théâtre. C'est pas vrai, mais alors? Et alors, si vous cherchez un homme fort, gentil, qui vous laissera faire ce que vous voudrez, et notamment du théâtre, mais c'est le mari idéal, bah oui. Non mais vous croyez vraiment que je vous vois pas venir? Mais écoutez, mais comme pour Gogh, enfin. Ah non, mais vous êtes vraiment grave en fait. Mais enfin Julie, je vous en prie. Oh, mais ça a l'air d'aller là. Je vous sens beaucoup mieux tout à l'heure. Ça se présente pas mal avec Julie. Tant mieux. Ah, je crois qu'elle est un peu sous le charme. Bravo. Sous le charme de votre coach. De Philippe? Mais oui, écoutez, monsieur Barnier, on a discuté tous les deux, mais elle préfère nettement Philippe à moi, pas vrai, hein? Enfin, explique-toi. Mais n'exagérez pas, vous, c'est pas parce que c'est pas possible avec vous qu'il faut forcément me jeter dans le bras de Philippe. Enfin. Vous voyez, monsieur Barnier, malgré tous mes efforts, non, elle me trouve pas terrible. Je suis même pas du tout son genre. Non, physiquement, pas du tout mon genre. Voilà, alors, en tout cas, votre coach, il est fort, il est gentil, mais si, c'est le mari idéal. Et qu'est-ce qu'il pense du théâtre, lui? Oh, il déteste ça! Ben oui, et puis il est honnête! Ah bah ça, par rapport à vous, ça sera un avantage, hein? Aucun doute. Bon, enfin, franchement, j'espère autre chose, non mais... Vous avez vu? Non, je crois que vous n'avez pas bien regardé, monsieur Barnier. C'est un être exceptionnel. Oui, oui. Monsieur... Oh non, monsieur Barnier, non, pas du tout.
Allez, puisque nous sommes d'accord, ben oui, vous pouvez peut-être me rendre ma reconnaissance de paternité. Mais on est d'accord sur rien. Et de toute façon, tant que j'aurais pas trouvé une solution pour ma fille, vous êtes le joker. Non mais ça va les petites combines, faites comme si que j'existais pas, hein. Non mais je jure. Monsieur Barnier, je peux vous dire un petit mot? Allez-y. Oui, écoutez, vous m'avez renvoyé. Bien fait pour vous, l'aller chercher. Bon, d'accord, mais avant de partir, faut quand même que je vous dise que votre société est en grand danger, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Les banques ne nous font plus confiance, monsieur. C'est pas vrai! Mais oui, on va manquer de liquidités, là. Alors, il faut mobiliser le compte client pour refaire de la trésorerie. Alors, je comprends rien à ce que vous me dites, là. C'est compliqué, ça. Oh non. Et vous savez faire ça, vous? Mais évidemment, monsieur Barnier. J'ai tout préparé. Non, mais vous pensez tout de même pas que j'allais vous laisser comme ça. Regardez, il n'y a plus qu'à signer. Alors, là, c'est une demande pour escompter les comptes clients. Hein, vous signez juste ici. Voilà. Là, c'est une autorisation hein, pour ouvrir un compte à terme. C'est quoi un compte à terme? C'est un compte, mais pour plus tard. Hein. Voilà. Et là, c'est une procuration, vous mettez juste bon pour accord. Excusez-moi, monsieur Barnier, mais il y a un D. Où ça? À accord. Ah oui, ouais. Ah bah oui. Je confonds toujours avec les hôtels. Mais vous savez que c'est fou parce que tout le monde fait la faute. Ah bah c'est oui. Incroyable. Et comme ça, la crise, nous, on ne connaît pas, monsieur. Oh, ah, Christian. Alors vraiment, je vous suis reconnaissant de m'avoir. Merci, monsieur. Mais de toute façon, pour le licenciement, on va en reparler. Je vous fais confiance. On va en reparler. Au revoir, monsieur Barnier. Au revoir. Ben, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, j'essaie désespérément d'envoyer des textos à Oscar, mais pour l'instant, c'est silence radio. Bon, quand tu verras mon coach, tu lui dis que je me prépare et que je viens te voir. Il est arrivé, hein? Bon, alors j'arrive tout de suite. Philippe? Oui? Ah. Oh non, c'est une table automatique, ça le fait tout seul, oui. Bah mon père vous attend. Ah ben oui, monsieur Barnier. Là je me gare, hein, monsieur Barnier. Hein. Monsieur Barnier. Ça va? Vous avez travaillé vos abdos? Ah, j'ai fait 4 heures par jour. Ça m'a l'air. Ah oh, oui, mais là, non, mais et votre régime? On dirait que vous avez repris du poids, vous vous êtes pesé. Moins de sucre rapide que des sucres lents. Tu n'avais pas fait de folie, j'espère. 4 déjeuners d'affaires cette semaine. Mais c'est pas bien, ça ne se marie, c'est pas bien du tout. Bon, écoutez, arrêtez de me saouler, il faut que je vous parle. Je vous écoute, monsieur Barnier. Bon, d'abord, si on se tapait un petit whisky. Jamais d'alcool. Bon, c'est un petit café. Mais pas de café non plus, monsieur Barnier. Ah, un petit soda. Jamais de sucre. Rien du tout, quoi. Ah ben rien, c'est bien. Ça, c'est une belle vie, hein. Oui, ah, c'est impeccable. C'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux. Bon, il faut que je vous dise la vérité, c'est que... J'ai un petit dilemme. Un petit quoi? Qu'est-ce qu'il est con, mais c'est pas possible. Un petit problème, si vous voulez. Oh, ça, c'est vos douleurs à l'épaule. Ah, je vais vous arracher ça. Mais ça va pas. Mais, allez. Ah, ça, c'est rien, c'est votre épaule qui encore s'est déboîtée. Bougez pas. On va faire un exercice. Ah, attention là, c'est vous. Attention. Ah, mais c'est douloureux. Faut pas crier. On va faire un exercice qui paraît facile. Mais qui se complique si on prend l'autre, monsieur Barnier. Ah, là. Non, mais là, je suis... Aïe. Je vous entends souffler, monsieur Barnier, là. Oh, je le sens, ça vient. Là, allez encore. Bon, dis, c'est loin la plage parce que j'ai mal au cœur, là. Là, monsieur Barnier, encore un peu plus loin. Qu'est-ce que vous faites encore, là, vous? Je m'excuse. J'ai fini ma valise et mon chauffeur m'attend dans la voiture. Ne faites pas attendre votre chauffeur, très cher. Écoutez, cher ami, ce n'est pas parce que je vais devenir baronne que je dois m'asseoir sur mon solde. Mais c'est quoi votre solde? 5000 euros. Non, mais foutez-moi, combien? 1200. Ah, oui. Et dites-moi, cette très, très, très jolie robe, là, elle n'est pas ma femme? Effectivement, monsieur, elle me l'a donnée. Eh, elle vaut bien 1200 euros. Ben, monsieur, c'est un cadeau. Eh ben, moi, je vous la vends, comme ça, on ne se doit plus rien. Mais n'en est pas question, puis elle est bien trop moche. Oh. Je ne l'aurais jamais acheté à ce prix-là. Ah bon? Ben, puisque c'est comme ça. Voilà. Oh. C'est un cadeau. Eh bien, faut la rendre aussi. Allez. Et mon pognon, c'est pas un cadeau et il faut me le rendre. Bah non, sur la table, là, il y a mon portefeuille. Vous trouverez de quoi? Non. Oh là 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 là. Il y a du vent là-haut, hein. Oui, ah oui, bah c'est arrondi, hein. Oui. Oui, là, c'est carrément arrondi. Oui, oui. Alors, voyure. Qu'est-ce que vous voyez?
Non, c'est pas vrai. Si. Et mes hommages à madame. Mes hommages à madame. Attention, ça glisse. On s'en occupe de cette épaule, monsieur Barnier. Ça peut attendre, non? Allez. Oh monsieur Barnier. Vous êtes un obsédé, un peu. Ah oui. Ah non. Merci. Ben, si. Monsieur Barnier. Oui. Oula. Aïe. Mais là, vous faites trop mal. Mais non, vous êtes trop... Mais non, mais lâchez-vous, là, vous êtes trop tendu, monsieur Barnier. Tiens, là, je suis là. Oh là là, oh là là, que c'est noueux. Quoi? Ah non, c'est noueux, monsieur Barnier. Ah, c'est noueux. Ah, non, oh là, le gros nœud, là. Oh, et un peu de poids, soyez poli, hein. Mais je vous en prie, là, c'est très dur. Ah, ben tant mieux. Monsieur Barnier, ça sent le souci. Ça sent le souci. Pas du tout, tout va bien. En ce moment, il n'y a pas des gens qui vous agacent un peu. Personne. Tout baigne. Bon, allons-y. Je vais vous faire un petit massage. Un peu. Attends. Attention. Là. Ah, c'est parti. Ça y est. Là. Ah, là. Et tout là. Ah, non, non, non. Ah, là. Là, ça relâche. Arrêtez, ça pas une escalope. Enfin. Monsieur Barnier, quand même. Oh. Bon, c'est pas fini, monsieur Barnier. Si, c'est fini. Non. C'est pas fini. Vous m'écoutez un peu. Quand on a mal à l'épaule, souvent. Ça vient des pieds. Bon, ça va pas, non? Je vous le dis. Je vois là, pas. Là. 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 Là, c'est fini. Non. Ah, génial! Qu'est-ce que je vous ai dit? Oh! J'en reviens pas! Oh, je ne crois pas! Ah, ben oui, non! Ah! Là, là, allez-y, là! Mais attends, j'ai un problème, là! Alors, il m'en manque un bout, là! Bah, quoi? Le, oh, pas grand-chose, monsieur Bardier, avec, mais... avec une belle semelle, ça va le faire, hein! Mais tu te fous de moi, il y a 10 cm! Oh non, il n'y a pas 10, monsieur Bardier! Mais attendez, je vais vous arranger le coup, monsieur Bardier, bougez pas! Barnier. Ah. 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 Ah, ça touche. Là, ça touche pas là. Ça y est. Là, on est revenu au niveau là. Hein. Ça y est. Impeccable. Ah oui. On y est presque, hein, monsieur Barnier. Bon. On y a. Alors, si on y est, asseyez-vous. Ah. Vous aimez les bébés? Vous quoi les petits bébés? Oui. Ah, oh, ben moi, je les adore. Mais c'est eux qui m'aiment pas. Pourquoi? Ben, le problème, c'est que. Voilà. Un accident de scooter? Je vois pas le rapport. Mais. Les deux sont restés sur la selle. Les deux? Oui, les deux. Les deux. Oh! C'est pas le pot, ça. Ah non, ça c'est clair de dire. Et ça fait ça quand on. Mais pas toujours, mais à moi ça me l'a fait. Oh! Oh, ça c'est dommage. Mais vous avez essayé les pastilles? Quelles pastilles? Les trucs bleus là. Ah! Ah oui, 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 oui. Alors? Rien, un drapeau. Un drapeau? Un drapeau. Oh. Et vous? Ah moi? Non. Ça va vachement bien. Les pastilles? Ah bah oui, je prends le tube, hein. En entier? Ah bah attends, ma femme, t'as vu, non? Et puis 30 ans de mariage, tu sais, c'est... Ah bon? Enfin bon, voilà. En tout cas, je savais qu'il vous manquait quelque chose. Je vous en prie. Ah non, mais je parle pas de ça. Ah bon? Sur le plan psychologique, sur le comportement, je voyais bien qu'il y avait quelque chose en vous qui me manquait. Mais c'est ça! Votre fibre paternelle n'était pas satisfaite! Un peu, monsieur Barnier. Hein, c'est ça? C'est ça, monsieur Barnier. J'ai une solution pour vous. Non. Oui. Non, j'ai une solution! Bah dites-le! Vous épousez ma fille, il y en a un qui est en route! De quoi, un bébé? Oui! Épousez votre fils, c'est un peu brutal, monsieur Barnier! Ah oui, mais il n'y a rien à faire, il est en route! Oh, bah, oui, qu'est-ce que j'apprends? Julie a rompu avec monsieur Martin! Madame Barnier! Toujours aussi viril, vous, hein? Alors, Julie rompt avec monsieur Martin, et c'est ce monsieur qu'elle veut épouser? Ouais, regarde! Évidemment, il est pas mal bâti. Hein? Et t'as pas tout vu? Bon. Vas-y, déshabillez-vous! Moi? Oui, bah pas, enfin... Bah mais monsieur Barnier, complètement. Bah on va commencer par le haut. Regarde. Voilà. Oui, on doit pas s'ennuyer avec un gars comme ça. Tournez-vous un petit peu, faites-moi marcher tout ça. Oh. Voilà. Hey.
Voilà. Ça me rappelle quand j'étais jeune, le mécano de papa, il s'appelait Antonio. Bon bah écoute, les calipettes pornographiques avec le mécano de ton père, on s'en tape. En attendant, tu sais pas à qui tu as affaire là. Ah bon? Ah non, parce que lui, il était finaliste du championnat de France de catch contre le bourreau de Béthune. Le bourreau de Béthune? Mais non, le bourreau de Castelnaudary, c'était moi. Voilà, ce barrier, je pilote à vous. Allez-y. Allez. Bon, tu lui as touché deux mots la situation? Écoute, c'est pas mal parti. Bon, c'est pas encore sûr, c'est pas fini, mais c'est pas mal parti, parce qu'il a un vrai problème. Il est d'accord, il est pas d'accord? Je te dis, c'est pas mal parti, c'est pas fait encore. C'est pas gagné, attends, ton attends, t'en vas pas, t'en vas pas. Oulon. Alors? Ah oui. Alors? Oulololo. Hein? Mais... Ah oui, alors? C'est sûr que... Hein? Mais elle est quand même... Il faudrait qu'elle bosse un peu ses fessiers, quand même, parce qu'elle est un peu molle de la cuisse, monsieur Barreau. Non, mais vous êtes pas clair, vous? Pour vous faire soigner dans cette maison, non, mais vraiment... Voilà. Oh bah Philippe, c'est élégant. Oh bah oui, non mais... Oh bah enfin, quand même. Puis elle est molle, hein, ouais, ça va, hein. Hein, il y a des mots que vous ne devriez pas prononcer. C'est pas pareil, monsieur. Bah c'est pas pareil, c'est pire. Enfin bon, moi je voudrais poser une question. Oui. Si un jour vous gagnez énormément d'argent, mais énormément, hein, comme au loto, qu'est-ce que vous faites? Oh, mais moi je répare mon scooter de suite, là. Mais je vous ai dit énormément d'argent. Un paquet énorme, comme le premier prix au loto. Mais oui, mais moi j'ai qu'un scooter, qu'est-ce que vous voulez que je répare, une horloge? Mais enfin, je sais pas, moi, dans votre vie, vous n'avez jamais eu envie, en tant que kiné, d'un gymnase, avec sauna, hammam, et avec une piscine. Ah, avec un four à pizza en plein milieu, monsieur Barnier. Voilà, avec un gros four à pizza en plein milieu. Voilà, ça vous a... Ah oui, oh, ça me titille. Ça vous a tenté? Ah oui, ça me tape, monsieur Barnier. Et bien, puisque ça vous titille, voilà. Il y a là-dedans de quoi vous acheter le plus beau gymnase du monde. Allez, ouvrez. Oh, monsieur Barnier. Allez, ouvrez. Oh, monsieur Barnier. Allez, ouvrez. Ah. Mais qu'est-ce que c'est, ce lance-pierre? C'est pas un lance-pierre, c'est un string, ça, monsieur Barnier. Ah, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Allô. Moi, j'ai rien fait, monsieur Barnier. Si, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rien fait, moi, mais c'est pas possible, pourquoi c'est... Attends, ah, j'ai compris! Ça y est, j'ai compris! Et ça, c'est la valise de la bonne! Elle a emmené la mienne chez le baron! Quel baron? Mais le baron, celui que ma fille n'a pas voulu épouser parce qu'elle était amoureuse d'Oscar! Oscar, mais c'est qui Oscar? Oui, Oscar, c'est mon chauffeur, c'est lui qui lui a fait un enfant avant de partir en Ouganda! En Ouganda? Ouais! Alors moi, j'ai voulu la remplacer, et je l'ai remplacée par Christian Martin! Mais lui, il voulait épouser ma fille qui n'est pas ma fille! Alors comme il m'avait gaulé les 500 000 euros, pour récupérer mes diamants, moi, j'ai fait la valise et la bande, c'est voué. Vous me suivez? Mais si! J'avoue que c'est pas simple, monsieur Barnier. Mais c'est facile à comprendre. Et c'est pour ça que quand vous avez ouvert la valise, vous avez trouvé les... Mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Je sais pas, moi, monsieur Barnier. Mais enfin, vous avez trouvé les soutifs de la bonne. Ah oui, les soutifs de la bonne. Ça y est, maintenant, vous me suivez. C'est pas simple, monsieur Barnier, c'est pas simple. Champagne! Monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que ma fille et moi, nous sommes d'accord pour ce mariage. Ah ben oui, non, mais c'est-à-dire que... Non, c'est parfait, on va se boire un petit coup de champ, ça peut pas nous faire de mal. Oh, allez, oh bon, ouais. Embrasse ton fiancé, ma chérie. Voilà. Ah, c'est dommage. Oh ben, monsieur Barnier, madame... Allez, Barnier. À votre santé. Oscar! Oscar! Mais... Oscar, d'être venu du Ouganda. Vous avez pris les couleurs. Donnez-moi ça, vous. Mais alors, qu'est-ce que vous avez foutu? Oh, lui parle pas comme un chauffeur, s'il te plaît. Monsieur Barnier, qu'est-ce que je fais, moi, voilà, tiens, vous prenez la bouteille, vous allez dans le jardin, et vous m'attendez. D'accord. Et puis, n'hésitez pas, allez, arrosez-moi ça. Mais d'accord, monsieur Barnier. Je ne savais pas que mademoiselle... Oh, mademoiselle, appelez-la Julie, voyons. Mais c'est quoi, cette histoire d'Ouganda? J'étais prêt à embarquer, monsieur. Mais j'ai pas pu. Vous savez, Julie, eh ben je l'aime, quoi. Oh, ils sont les mêmes. C'est beau. Oh, bravo. Vous avez notre bénédiction. Oui. Soyez heureux, les enfants. Allez. Ah, enfin, enfin. Ils ont changé, tes parents, là. Je reconnais pas ton père. Qu'est-ce qui se passe? On s'en fout. Moi, j'ai cru que t'étais parti, je sais pas où, en Ouganda, faire je sais pas quoi. Non. Je t'aime, Julie, je t'aime.
Et en plus avec ma fiancée. Hein? Mais c'est qui ce pachyderme là? Enfin, mais calmez-vous, Philippe, qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas ça. Et toi, la petite chatte d'Ouamar! Laissez-moi! Fous le temps! Encore là-bas! Et où est l'autre? Oh! Ma douce! Ma princesse! Oui, Non, lâche-moi, non. Oh, que c'est beau, l'amour. C'est pas Oscar. Oscar, il y a les diamants d'Abon qui s'est calté en l'ordre. Oui, parce qu'il avait trouvé un petit bébé dans une valise. Mais c'est un petit copain. Allez, 1, 2, 3, le tri. Julie, je me suis trompée de valise. Oh, ça doit être à cause du bar. Il me faut tourner la tête. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. Le coup de la fausse grossesse, c'était grandiose. Ils y ont cru tout de suite, mais ça, c'est uniquement grâce à vous. Vous savez, Julie, j'ai quand même l'impression que votre père m'en veut un peu que je sois devenue baronne. C'est pas de ma faute à moi si j'ai tapé dans l'œil d'Honoré. Attendez, c'est tout à fait normal, vous êtes super jolie. Merci du compliment. Bon, eh bien voilà, je reprends ma valise. Au revoir, Julie. Ben, je vous fais un gros bisou, Juliette. Souhaitons-nous bonne chance? Oui. Bonne chance! Allez, goodbye, my love! Oui, allô? Oui. Vous pouvez me passer le baron, s'il vous plaît? Ah, c'est vous-même! Bonsoir, monsieur le baron. Excusez-moi de vous demander pardon, c'est Barnier. Oui, je me permets de vous appeler parce que figurez-vous que la bonne, enfin, votre future femme, elle s'est trompée. Oui, elle est partie chez vous avec ma valise dans laquelle il y avait... Enfin, bon, ça n'a pas d'importance, oui. Alors, vous lui avez tourné la tête, ça, je vous le confirme. Ça vous embête de demander à votre chauffeur de me la ramener? Non, pas la bonne, la valise. Voilà, s'il vous plaît. Ah, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci infiniment, monsieur le baron. Merci, monsieur le baron. Mais je vous en prie, merci beaucoup, mes hommages à madame. Ah, ils vont faire un bon couple, ces deux cons, là. Oh! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Bah, ça va moyen, monsieur Barnier. Bah, vous savez quand même que Clara est partie à cause de vous. Ne soyez pas pessimiste, vous avez la retrouvée. Ah, j'espère, monsieur Barnier, j'espère. Au fait, vous m'avez dit que vous étiez sportif, vous. À moi, très. Oui? Ah ouais. Que ce soit la natation, que ce soit l'athlétisme ou le football, je ne rate jamais à la télévision une émission. Ah, d'accord. Non, parce que l'autre fois, vous m'avez dit que, voilà, je jouais en championnat de France amateur, et puis vous, en première division, bon... Enfin, c'est une expression comme ça, c'était pour vous taquiner. Mais enfin, pourquoi vous me demandez ça? Parce que je voulais savoir si vous étiez fair-play comme les sportifs. Alors moi, il n'y a pas plus fair-play. C'est... Alors là, je peux vous garantir qu'il n'y a pas plus fair-play que moi. Mmh. Mais où voulez-vous en venir, là? Monsieur Barnier, maintenant, je joue en première division comme vous. Mais je vous félicite. Merci. Mais bravo. Merci. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Je vous ai volé 500 000 euros. Enfin, vous avez perdu la tête, Christian. Je le sais, vous me les avez même rendus. Non. Je vous ai volé 500 000 euros de nouveau. Vous m'avez volé de nouveau 500 000 euros? Oui. Ah. Oh, mais je croyais que vous étiez fair play. Ouais, tiens. Non, ne téléphonez pas, monsieur Barnier. Tenez, tout est régulier, regardez. J'ai sous-signé Bertrand Barnier, reconnaît verser ce jour une prime exceptionnelle de 500 000 euros à Christian Martin pour avoir mis en place un dispositif. Ah oui, c'est le bon pour accord, avec le dé à la fin, là. Oui, c'est... Ouais. Vous êtes une énorme canaille. Non, monsieur Barnier. Mais vous êtes un escroc, un voyou. Monsieur Barnier, je vous propose un marché. Je vous rends les 500 000 euros le jour où vous m'aurez rendu les diamants. Mais vous moquez de moi, les diamants sont à moi. Non, vous m'avez dit vous-même que c'était un cadeau pour Clara. Moi, je tiens à lui faire ce cadeau. Alors, attendez que je comprenne bien. Si je vous rends la valise... Avec les diamants, vous dites que vous me rendez la valise avec l'argent dedans. Oui, à condition que je sache où retrouver Clara. Mais oui, je le sais, bien sûr. Vous connaissez son adresse? Mais bien sûr, j'ai son adresse, évidemment.
Eh bien, je suis d'accord. Et vous me rendrez aussi ma reconnaissance de paternité? Accordé. Oh, alors... Allez vite chercher les billets. Où sont mes diamants? Bah là, voyons, vous voyez bien. Ils sont dans le coffre de ma voiture. Allez-y. J'arrive tout de suite. Ça y est, je reprends la main. Ah, je vais me le refaire, là. Non, mais il y a... Ça, c'est la valise de la bonne et je vais récupérer les miftons. Je me promène. Allez. Voilà, ma reconnaissance de paternité. Oui, monsieur. Voilà. Donc ça, c'est bon pour accord. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. L'adresse de Clara aussi. Ah, l'adresse de Clara. L'adresse de Clara. Alors, Clara, c'est 17 Strasbourg-Saint-Denis. Ah, d'accord. Merci, monsieur Barnier. La trouvera. Merci, allez. Monsieur Barnier. Voilà. Oh, vous êtes un grand homme, monsieur Barnier. Dorénavant, je vais vous appeler le grand Barnier. Et vous, je vous appellerai la traite. Mais pourquoi ça? Comme ça, je vous ferai flamber. Enfin, monsieur Barnier. Bertrand, je suis en train d'établir une liste d'invités pour le mariage. J'ai pensé qu'il fallait envisager quelque chose qui sonne à la plus stricte intimité. 500 personnes maximum. Ah oh bah oui. Au-delà, faudrait louer un stade. Oui. Alors... Ah non, pas celui-là, là. Hein. Lequel? Non, Barou, là, je veux pas lui. On le mettra sur la pièce montée. Oui, d'accord. Dis-moi, t'as fait ce qu'il faut pour la bonne? Oui, j'ai appelé l'agence, elle est une qui se présente enfin l'après-midi. Espérons qu'on ait enfin une bonne bonne. Oui. Ah. Oui, qu'est-ce qui se passe encore, ma chérie? Je viens de recevoir un texto horrible d'Oscar. Un texto horrible d'Oscar? Ma petite Juju, j'étais tellement contente que tes parents soient d'accord pour le mariage, mais j'ai compris qu'en mon absence, tu étais devenue la maîtresse du masseur, cet énorme pachyderme. Je suis trop malheureux, je te quitte et je m'en vais pour une expédition polaire en Alaska, adieu. Quoi? Mais tout ça, c'est de la faute de ton père. Évidemment. Oh, mais il faut absolument empêcher ça. Comment il s'appelle, le copain de ton père, le ministre, là, qui ferme les frontières? Brice? Oui, t'as son numéro de téléphone? Attends, je vais regarder. J'ai que le portable. Donne-le-moi, je m'en fous. 06 12 36 79 99. Allô, Brice, le ministre. Bonjour, monsieur le ministre, pardonnez-moi de vous déranger sur votre portable, c'est madame Barnier. Oui, ça va très bien, je vous remercie. Oui, 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 ça va très bien, non, ça va pas du tout. Figurez-vous, le fiancé de ma fille vient de la plaquer pour s'enfuir en Alaska. Ça vous ennuierait de fermer les frontières deux ou trois jours? Ah, vous fermez les frontières uniquement pour empêcher les gens de rentrer. Non, voyez-vous, ça ne m'arrange pas du tout. J'avais pas prévu ça, c'est très ennuyeux. Une autre fois, peut-être, monsieur le ministre. Oui, à très bientôt. Oui, oui, oui. Oui, oui. Au revoir. Oui. Merde. Bon, ben, on appelle le président. C'est pas un peu trop? Ben, au point où on en est. Mais au fait, papa, il est copain ou il est pas copain avec le président? J'en sais rien. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Qu'est-ce qu'il dit? Quand on lui demande, il se marre. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, j'ai une idée. Oui? J'ai qu'à envoyer un texto à Oscar et puis je lui dis toute la vérité. Vas-y, si t'as pu le faire revenir. Oh, laisse-moi aller ouvrir. J'adore aller ouvrir. J'adore ça. Allez ouvrir. Entrez, monsieur. Bonjour, madame. Je suis chargé de rapporter la valise de monsieur Barnier de la part du baron de la Boutinière. Merci. Et le baron m'a également demandé de ramener la valise de madame Juliette. Mais parfaitement, tenez. Voilà. Vous remercierez le baron de ma part. Je n'y manquerai pas. Au revoir, madame. Au revoir, Harry. Non, je m'appelle Blaise. Tant pis pour vous. Décidément, depuis que nous n'avons plus de bonne, il n'est jamais venu autant de monde. Philippe, quelle joie de vous revoir, Philippe, si vous saviez, quelle joie. Je m'excuse, madame Barnier, pour ce qui est arrivé ce matin. Mais vous êtes toute excusée, voyons. Vous comprenez, j'ai pas l'habitude de boire. Oui. Et quand j'ai vu votre fille dans les bras de l'autre, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai cogné. Mais c'est normal, enfin, quand on a bu. Un homme sous, ça cogne. Sinon, c'est pas un homme. Ah bon? Mais oui, vous êtes un mâle, vous avez le sang chaud. Enfin, on vous promet, ma fille. 10 secondes après, vous la retrouvez dans les bras d'un inconnu. Puis pétez la gueule et une réaction tout à fait saine, mon petit Philippe, allons. Mais oui, mais je m'attendais pas à autant de compréhension de votre part. De ma part et de celle de Julie, n'est-ce pas, Julie, Julie? Bien sûr. Voilà. Oh, je m'en veux un peu quand même, parce que c'est pas la première fois. Chaque fois que je suis un peu stressé... C'est pas vrai.
la semaine dernière. Un contrôleur dans le métro. J'avais mon ticket, je ne le retrouvais plus. Il m'a verbalisé. J'y ai balancé une salade de phalange. Les contrôleurs du métro sont très énervants. Personnellement, je ne prends plus le métro à cause des contrôleurs, voyez-vous. Oui, mais la fois d'avant. Oui. Un CRS dans une manif. Voilà. Qui bloquait ma rue à 30 mètres de chez moi. Pim. 30 points de suture. C'est le tarif. Et c'est même pas cher. Voilà. C'est leur métier au CRS de se prendre des points de suture plein la gueule. Allons, bien sûr. Mais sinon. Oui. Je suis doux, vous savez. Oh, j'en suis sûr, mon petit Philippe. Vous avez le visage d'un dieu du stade. Oh, Philippe. Je suis content de vous voir. Vraiment, monsieur Barnier? Ah oui, vraiment, je suis très content. Philippe vient de passer 10 minutes à s'excuser. Je lui disais que tout était oublié, dis-le-lui. Mais enfin, on n'est pas des rancuniers, nous. C'est passé, on vous en veut pas. Allez, au contraire. Bon, laissez-nous, faut qu'on parle. Viens, ma chérie, laissez-nous, du star. Allez, asseyez-vous. Bon, allez, faut se concentrer, hein. D'accord? On ouvre bien les neurones, bien les oreilles. Cool, décontracté. Oui, bon. Alors, vous rappelez que la dernière fois, on était pratiquement arrivé à un accord avant que cet imbécile, il vienne nous interrompre, là. Ah, celui à qui j'ai mis une rouste. Oui, mais c'est bien fait pour lui. Enfin, il l'a cherché. Ah, oh, ben, faut quand même pas exagérer. Donc, j'étais en train de vous dire que si vous épousiez ma fille, je vous offrais un gymnase avec un hammam, un sauna, une piscine. Ah, vous aviez dit le four à pizza, hein. Oui, avec un four à pizza. Oui, voilà. C'est important, monsieur Barnier. Donc, vous rappelez de ça? Oui. Bon. Je comptais financer cette opération grâce à des diamants qui étaient dans une valise. Là-dessus, j'ai viré la bonne. Et la bonne, en partant, s'est trompée de valise. Elle a emmené la mienne et elle a laissé ici la sienne. Vous me suivez? Oui. Bon, écoutez, s'il y a le moindre problème, vous n'hésitez pas, vous me demandez et on recommence. Oh non, mais ça bricole jusque-là, monsieur Barnier, ça va. Donc, c'est évidemment ce qui explique que quand vous vous êtes retrouvé à ouvrir la valise, vous avez trouvé le... Je sais pas, monsieur. Merde! Enfin, le string de Juliette! Ah, oui, le string de Juliette. Juliette, c'est la bonne. C'est la bonne. Ah, bon. Concentrez-vous, ça va se compliquer un peu. Aïe. Mais non! Mais juste un tout petit peu. Allez-y. Christian Martin, c'est mon employé qui m'a choisi 500 000 euros. Non! Si! Ouh là 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 là, le voyou, monsieur Barnier! Mais je vous demande pas votre avis! Ah, non, mais... D'autant plus qu'il les a ramenés. Ah, écoutez, tant mieux, si vous les a ramenés. Je vous demande pas votre avis. Donc, il les a filés dans la valise. Quel est parti chez le baron! Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelé, je lui ai dit, cher ami, donc le mari, envoyez-moi votre chauffeur. Quel mari, monsieur Barnier? C'est le baron! Enfin, vous savez bien qu'elle a épousé un baron! Non! C'est pas possible! Vous vous concentrez pas assez! Si! Bon, si. Alors regardez, Christian Martin, oui. Il m'a volé de nouveau 500 000 euros en billets de banque! Non! Pour les récupérer, oui. Il a fallu que je lui échange la valise dans laquelle il y avait les 500 000 euros en billets de banque avec la valise dans laquelle il y avait les diamants. Parce que je pensais que c'était celle de la bonne. Alors, c'est évident que là, maintenant, on est sûr, c'est facile à comprendre, que dans celle-là, il y a 500 000 euros en... Un diamant, monsieur Barnier. C'est pas possible. Mais vous m'avez dit que c'était un diamant, là. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai dit que les diamants, c'est celle avec laquelle j'avais échangé celle-là. Là, celle-là, là. Mais c'est pas possible. Vous avez pas de cerveau. C'est du polystyrène que vous avez là-haut. Non, mais... Et puis, arrêtez de faire marcher vos abdominaux. On s'en fout. Ou faites marcher les abdominaux de vos neurones. Hein, vaudrait mieux. Et puis, je vais vous donner un bon conseil. Vraiment. Buvez du whisky. Non. Si. Non, non, jamais. Buvez du café. Et vous voulez mieux, mangez du sucre. Des tonnes de sucre. Jamais. Parce qu'à force de bouffer de la salade et de boire de l'eau, vous avez le QI d'une limace. Non, non, non. Je vais faire simple, parce qu'avec vous tel que je complique, je suis battu. Il y a là-dedans 500 000 euros en billets de banque. Voilà, pour acheter votre gymnase. Vous ouvrez et vous allez voir que je suis pas fou. Allez, ouvrez. Oh. Allez, ouvrez. C'est pas possible.
Hein? Ça? Je suis fou? Je suis fou? Je suis fou? C'est ça que vous êtes? C'est fou? Hein? Je suis fou? Je suis fou? Mon mari, il allait beaucoup trop vite pour que je puisse lui parler. Qu'est-ce qui se passe avec vos mains en marionnette? Je crois que Monsieur Barnier a pris un pet au casque terrible. Il m'a tenu des propos incohérents au sujet d'une valise pleine de diamants, puis d'une valise pleine de billets de banque, et d'une bonne pour épouser un baron. Oh, mais la bonne qui épouse le baron, c'est vrai, c'est la nôtre. Mais pour ce qui est du reste, peut-être que vous avez mal compris. Vous savez, il ne faut pas faire attention à tout ce que mon mari vous dit. L'essentiel, c'est que vous entendiez bien avec notre fille. J'ai quand même écrit au sujet de Monsieur Barnier. Je trouve qu'il va très mal. Pas de nouvelles de ton esquimau? Aucune. Vois ça avec Philippe, moi je retourne à ma liste d'invités. Elle aussi, elle est bien siphonnée. Hein. Alors qui c'est qui vous l'a fait, ce marmot? À quel marmot? Bah, je sais pas, votre père m'a dit que vous attendiez un gosse. Ah mais non, ça c'était ce matin, je lui ai fait croire. Ah, vous lui avez fait croire? Et pourquoi vous lui avez fait croire? Parce que je voulais épouser Oscar. Vous voulez épouser Oscar? Bah oui, je suis amoureuse de lui, donc forcément j'ai envie de me marier avec. Oh là là, ah mais c'est général, quoi. Vous avez tous le pâté qui colle à la boîte. Parlez pas. Où elle est ta faim? Hein? Où elle est ta mère? Dans le coin. Ah, Brigitte! Oui? Viens voir. Qu'est-ce que t'as dit, château chéri? Écoute. Il y a un mystère que je veux absolument éclaircir. Il y avait ici, là, tu vois, là, une valise à laquelle j'étais très attaché. Ah oui, oui, pleine de diamants. Ah oh hey, jaloux. Vous voyez bien que mon mari n'a pas le cœur à plaisanter. Ouais. Mais c'est bien ça le problème ici. Silence. Papa. Tais-toi. Si, il fallait vraiment que... Tais-toi. Que je te dise que Juliette l'avait rapporté, ta valise. Ah, mais comme ça? Tout à l'heure, elle a repris la sienne à la place. Oh, c'est pas possible. Enfin, pourquoi te mettre dans cet état-là, puisque tout est arrangé? Mais rien n'est arrangé. J'ai filé à Philippe. Ah, Christian! Pourquoi as-tu filé à Christian cette valise si tu l'es tenu tant? Parce que je pensais que c'était celle de la bonne! Non, non. Enfin, pourquoi tu voulais refiler la valise de la bonne à Christian? Pour l'emmerder! Voilà, vous avez compris? Pour moi, il fallait l'emmerder! Très bien! Puisque tout est arrangé, je retourne à ma liste de la vie! Non, y a rien d'arrangé! Rien! Parce qu'ici, là, tu vois, ici, là, il y avait une autre valise! Ah oui, pleine de billets de banque! Gagné! Eh ben c'est chaud, ça circule de nouveau. Bravo. Alors, j'avoue, Monsieur Barnier, j'ai pas fait exprès. Bon, enfin, ça compte quand même. Oui. Bon, alors ça compte quand même. Merci, Monsieur Barnier. Mais enfin, ça me dit pas où elle était, cette valise. Enfin, tu n'as pas demandé toi-même au baron de la faire reprendre par son chauffeur. Ah, c'est pas vrai. Le baron est venu. Oui, il y a un quart d'heure. Le chauffeur l'a emporté. Eh ben, j'ai perdu les deux. J'ai perdu les diamants, j'ai perdu l'argent. J'ai perdu les deux. Mais c'est pas possible de m'être fait baiser comme ça. Bertrand, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Oh, tu parles, vieux singe. Calme-toi, mon petit Dactari. Tu sais, j'ai appelé SOS vétérinaire, quand même. Ils sont venus. Heureusement que j'étais là. Ils voulaient te piquer, quand même. Bon, moi, j'ai toujours pas le nom du marié. Je le laisserai en blanc sur le carton d'invitation. Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire d'autre. Je ne vois pas.
Voilà, voilà. Oh. Oh, Clara ! Monsieur, monsieur, je suis désespérée. Mais pourquoi ? Je ne sais pas comment retrouver Christian. Écoutez, si tout se passe comme je le pense, il va pas tarder à venir. Je suis tellement malheureuse sans lui. Mais quand même, il a exagéré, il n'a parlé que d'argent. Ah, je vous fais pas dire, mais j'ai une idée. Écoutez... Mais pourquoi je ferais ça? Pour lui donner une leçon, il le mérite, non? Je reconnais qu'il le mérite. Je ne sais pas si j'en serais capable. Mais j'en suis sûr, vous allez être fantastique. Mais où je vais trouver une tenue pareille? Dans la chambre de ma fille. Dans sa penderie, il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes sûr que Christian va revenir? J'en suis sûr. Tiens, c'est peut-être déjà lui. Vous laissez la porte ouverte, je vous donne un top de départ. Je vais essayer. Allez. Je vous promets rien, monsieur Barnier. Vous allez être génial. Oh, Christian! Oh là, monsieur Barnier, oh là 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 là. Là, je suis désespéré. Mais vous êtes toujours désespéré, ah, vous. Ah oui, mais vous savez que je suis allé au 17 rue Strasbourg-Saint-Denis. Alors? C'est une boîte de striptease où les filles dansent nues. Des gogo danseuses? Oui. Oh. Alors, j'ai demandé à voir Clara. Le patron m'a dit qu'elle était occupée dans un salon privé. Et là, il m'a conseillé une petite Soraya. Pour le même tarif. En me disant que c'était tout aussi bien. Et vous avez dit que Soraya, c'était aussi bien? Oui. Ah là, il s'est foutu de vous. Pardon? Non, rien. Monsieur Barney, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Moi, j'aime Clara à la folie, mais elle me plaît énormément. Mais c'est vrai que c'est pas une bombe. Bon. Bah, non, non, mais c'est pas. Mais je la vois mal en train de faire la gogo danseuse. Qui sait, parfois on a des... Non, mais écoute, monsieur Barney, elle a pas le physique pour. Oh, hein? Bah ça c'est... Mais c'est pas la question, mais comment t'as pu me tromper à ce point? Et toi? Et toi, mais comment t'as pu me dire que tu m'aimais? Alors qu'il y a que l'argent qui compte pour toi. Mais Clara, mais je m'en fiche de l'argent. Tenez, monsieur Barnier, voilà, voilà vos diamants, ils sont à vous. Merci. Merci, Christian. Oui. Merci, Christian. Merci, merci, Christian. Vous en... Bon, en tout cas, pour vous remercier de vos gestes, je vais vous dire toute la vérité. Enfin, évidemment, Clara n'est pas une gogo danseuse. Oui. Enfin, c'est la fille la plus honnête, la plus sérieuse, la plus sage que je connaisse. C'est moi qui vous ai inventé ce petit tour. Ah. Hein, vous méritiez bien une petite leçon. Mmh. Oui, oui. Mmh. Alors maintenant, quand vous dites qu'elle n'a pas le physique pour... Non, mais... Ah bah oui, bah... En tout cas, vous, je peux pas vous dire qu'il est honnête. Oh, mais bon. Et je peux pas vous dire non plus qu'il n'aime pas l'argent. Mmh. Mais en l'occurrence, vous comptez beaucoup plus que l'argent pour lui, la preuve. Il m'a tout rendu. Mmh. Allez, embrassez-vous. Voilà, voilà, bon, voilà, voilà, bon, allez mutiner dans le jardin, maintenant, ça va, allez, ah, enfin, enfin, mon Dieu, faites que, ah, oh, oh, c'est pas possible, oh, quelle merveille, oh là là, oh là là, non, mais regarde-moi ça, ah, 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 oh, c'est fabuleux, oh, oh. Qu'est-ce que c'est beau! Oh. Oh là 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 là! Oh là là! Non! Oh. Mmh. Mmh. Ah. Ah, ça rentre pas, hein! Oh. Je me suis envoyée par l'agence. Ah oui, je vous attendais. Entrez, entrez, madame. Entrez. Ah, ah. Alors, quoi vous dire? Bon, d'abord, il faut vous dire qu'ici, c'est une maison sans histoire.
était toujours très calme, très simple. On est des gens très sereins et surtout discrets. Oui, ça je vois. J'espère que vous aussi. Très. Bon, alors vous avez beaucoup d'expérience? Depuis plus de 30 ans, monsieur. Ah, ça, ça me plaît. Ah, ça, ça me plaît beaucoup. Et vous avez des certificats? Tenez. S'il vous plaît. Merci. Ça m'a fait tout drôle quand on m'a dit de me présenter chez vous. Ah. Je ne voulais pas venir et puis finalement, je me suis décidée. Ah bon? Pourquoi vous ne voulez pas venir? Lisez le premier certificat, vous comprendrez. Allez, je vais y arriver. Ils sont à l'envers. Voilà. Alors, je suis signée, Christine Barnier. Et c'est la signature de ma maman? Oui. Oui, c'est bien l'écriture de votre mère. Émilie? Oh, oui, monsieur. Oh, 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 j'ai servi chez vos parents, vous étiez tout jeune. Oh, j'étais pleine d'admiration pour vous. J'étais sûre que vous auriez un grand avenir. Merci, vous flattez beaucoup. Mais moi, je me rappelle que vous étiez... Il reste des trucs, d'ailleurs, hein? Alors, vous êtes mariée? Non, monsieur, mais j'ai une fille. Ah, c'est bien. Quel âge a-t-elle? L'âge de se marier. Elle va bientôt épouser un jeune homme formidable. Alors, permettez-moi de lui offrir le cadeau de mariage. Oh, vous êtes trop bon, monsieur. Oh, monsieur, la moindre des choses. Alors, parlez-moi du mari. Alors, c'est un garçon très bien. Excellente situation avec un gros salaire. Il est directeur financier d'une grande entreprise. Dans une entreprise de cosmétiques. Vous pouvez me dire son nom? Christian Martin. Vous le connaissez? Si je le connais, il me pourrit la vie. Il me pourrit la vie. Mais alors, attendez. Vous êtes la maman de Clara. Mais vous la connaissez aussi? Ah ben oui, elle est ma fille. Comment ça? Oui, enfin bon, elle est ma fille. Mais je ne savais pas que vous le saviez. Que je savais quoi? Mais que Clara était votre fille! Que Clara, j'ai bien... Oui! Mais pourquoi me l'avoir pas dit avant? Mais je n'ai pas osé! Mais je ne l'ai avoué à personne, même pas à Clara. Écoutez, vous étiez le fils d'une famille très riche. Je vous aimais, mais je n'étais que la bonne. Ah oui, mais quand même, vous rendez compte un peu. Oh, Émilie. Oh, Bertrand. Oh, Émilie. Oh, Bertrand. Émilie. Que se passe-t-il, Bertrand? Qui est cette dame? C'est la bonne. Pas que ça te rende si triste. Madame a des ennuis? Non, madame, je pleure de joie. Ça vous rend tellement heureuse de travailler pour nous? Oh oui, madame, très heureuse. Toi aussi, Bertrand? Oui, je suis heureux. Eh ben, ça va être gai à la maison. Si vous saviez comme elle est belle, notre fille. Mais je le sais qu'elle est belle. Évidemment, je le sais qu'elle est belle. Clara? Elle est là? Mais elle est là avec son fiancé, en plus. Voilà. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Clara. Oh, ma Clara. Je te présente ton père. Monsieur Barnier est ton papa. Mais tu m'as toujours dit que papa était mort. Monsieur Barnier est vraiment mon père? Non, le vrai. Le seul. Non! Quel monde est petit! Le monde est petit, hein! Mais alors, vous êtes Christian Martin? Oui, maman, c'est Christian. Oh, belle maman! Oh, ah, papa! Ma fille! Alors, c'est la grande rigolade ici! Tout le monde s'éclate! Madame, permettez-moi de vous expliquer. Ah, oh, bah, plus tard, on verra ça voilà, plus tard! Oscar! Oscar, te voilà enfin voir! Et dire que j'ai failli te quitter pour ce pachyderme là. Monsieur Barnier, j'ai l'immense honneur de vous demander la main de Clara. Attendez! Et moi, monsieur, celle de Julie. Oh! Attendez! Et moi, monsieur Barnier! Julien! Vous m'avez manqué, vous m'avez manqué!
Mais alors, et le baron? Oh, le baron Non. Ils sont revenus. Ah, ben voilà. Donc, Monsieur Barnier, je peux tenter le coup? Mais oui, attendez! Allez! Au revoir! Oh, Monsieur Barnier! Mes enfants! Écoutez, on est tellement heureux, votre père et moi. On a décidé de vous faire le plus beau cadeau de mariage qu'on puisse inventer. Oh. Voilà, vous avez l'amour et vous allez bien démarrer dans la vie. Oh, merci, Monsieur Barnier. Ah, bah, c'est la moindre des choses. Merci. Allez, les enfants. Voilà. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon jour de Noël. On espère que tous les téléspectateurs de France 2 ont fait la même chose, qu'ils se sont amusés autant que nous nous sommes amusés. En tout cas, je dois vous dire que vous avez été exceptionnels et que notre bonheur est complet. Hein, n'est-ce pas? On peut, on peut le dire. Hein, on a été... Mais pourquoi? Écoute, je viens d'apprendre que quand même t'as fait un enfant à la bonne. Pour un jour de Noël, c'est quand même complet, dis donc, t'es gonflé. Non, mais bien amusé. Attends, d'abord, je te signale, excuse-moi, je préfère qu'on parle de ça tout à l'heure. Non, mais tout le monde veut savoir ce qu'il y a en dessous de toi. Mais non, enfin. Mais ça vous intéresse pas. Mais si! Voilà, franchement, je trouve que c'est... Franchement... Dis donc, bon, d'abord, je te connaissais pas, je te signale, il y a 30... Ben non. Mais... Clara, quel âge avez-vous? 26 ans, pourquoi? Voilà, 30 ans de mariage. 30 ans de mariage. Remise de peine, monsieur le président. Oh, dis-moi, ça va, hein. Je te signale, entre parenthèses, qu'on habitait chez maman. Ah oui, ta mère, tiens, parlons-en. Ben non, dis donc, commence pas avec ma mère, hein. Elle était très bien, votre mère. Tu vois bien. Elle était très bien, ma mère. Oui, mais t'es pas... Alors, commence pas avec elle, hein. Et puis d'abord, bon, on en est aux confidences, on peut se le dire. 30 ans après, on peut tous dire, c'est arrivé une fois. Une fois? Vous avez la mémoire courte, maintenant. Bon, admettons deux fois, voilà. Oh, deux fois? Deux fois par semaine, oui. Oh non! Ah non, non, là, vous... Là, elle exagère. Non, elle exagère, là. Menteur, tu devrais faire du théâtre. Ouais. Non, mais elle exagère. Et dis pas où tu es que je suis Pinocchio, non, oui, mais dis donc. Les salons. Oui, en tout cas, écoute, t'as au moins gagné une fille. C'est vrai, j'ai gagné une fille magnifique qui s'est passée. Ça, ça montre une chose. Oui. Parce que moi, je t'en ai fait une à toi, t'as vu comment elle est? Oui. J'en ai fait une à la bonne, regarde comment elle est. C'est vrai. Donc, ça vient du père quand elles sont belles. Celle-là, t'as vu comment elle danse? Elle danse bien. Eh, hey, franchement. Elle tient de moi d'ailleurs. L'enfant de l'amour. C'est l'enfant de l'amour, vas-y. L'autre aussi. Alors vas-y, quand même. Christian. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Justement, j'ai plus du tout envie de travailler aux pompes funèbres. Ah bon? Finalement, gogo danseuse, ça me plairait bien. Ah, c'est bravo! Ah, mais ça va pas ou quoi là? Tu veux danser toute nue devant les hommes à poil là, comme ça là? Je suis pas vieux. C'est pas parce qu'elle va faire ça qu'elle est pas sérieuse. Hein? Enfin, tu plaisantes. Non, mais quand même, à poil et tout. Non, mais comme ça. Mais d'abord, ça rapporte beaucoup plus gogo danseux que secrétaire chez Borgnol. Ah, ça rapporte beaucoup plus. Ah bah, beaucoup plus. Je te propose un truc, on fait 50-50. Ah bah, voilà.
non. Il y a vraiment que l'argent qui compte pour toi. Il y a que l'argent qui compte. On les entend pas, les deux, là. Vous voulez qu'on parle? Bah oui! C'est Noël! Non, mais je vais vous parler, moi, monsieur Barnier. Ouais, on va vous parler. Non, parce que vos rôles à deux balles, là, dans des pièces. Hein, c'est des caricatures, j'en ai marre d'être dans des caricatures, des clichés. Dis-le, mais bien sûr, on est cantonné à faire des rôles de la bonne à forte pigmentation. Ah, lui, l'ancien rugbyman, à faire un masseur idiot. Dis-donc, bon, il est ma sœur comme il est, mais vous, je vous signale que je vous ai vu adjointe d'un commissaire, vous n'étiez pas la bonne. Oh, on va pas remettre ça sur le tapis. Bon. Le commissaire, là, c'est pas le mec qui s'occupait d'un club de sport, là. Si, là où quand les mecs s'arrachent un ongle, ils sortent sur un brancard, là, où ils le foutent. Salut. Je connais rien au foot, mais je connais bien le rugby. Non. Ah oui, alors les mecs comme ça, hein, vachement bien balancés, qui font des photos et tout, avec un truc de travers et ça. Et quand, moi je sais comment ça se fait les photos dans les douches, il n'y a que le contenant, hein, il n'y a pas le contenu. Hein. Oui, ça fait les balaises comme ça sur les calendriers, mais... Ah, les calendriers. Oh, Julie, je te rappelle. Oh, nous, ce qu'on préfère, c'est le mois de novembre. Oh, tu sais, c'est quand c'est l'automne et qu'ils perdent leur châtaigne. Oh, Non mais attendez là, vos footballeurs là. Et l'opération d'abord sur le scooter, c'était en automne aussi. Mais parce que vous parlez des footballeurs là, je suis sûr qu'ils font des pieds et des mains pour y être sur le calendrier. J'en fais le pari. Ah ben, oui. À propos de Paris, justement, Pascal disait trop de vérité nous étonne. Oula. Mais quel Pascal qui a dit ça? C'est Obispo ou Pascal le Méta? Alors? Ah, ça, c'est ça la question. C'est quel Pascal qui disait ça? Ou Légitimus? Ouais, c'est Légitimus. Voilà, ça! Au moins, puisque c'est comme ça, j'ai le regret de vous annoncer que je peux plus être votre chauffeur, voilà. Ça va pas, pourquoi? Enfin, merde, restez avec nous. Mais non, monsieur, je veux me consacrer entièrement à Julie. Voilà, je vais devenir son chauffeur, son secrétaire et son garde du corps. Le garde du corps? Ah, mais ses épaules de serpent. Non. Mais pourquoi un garde du corps? Ben, pour sa carrière artistique. Attends, j'ai dit qu'elle ne pourrait pas faire de théâtre, il n'en est pas question. Mais tiens, qui a parlé de théâtre? Chante-nous ta chanson que tu m'as chantée dans la cuisine. Bah oui. Mais quelle chanson? Elle sait pas chanter. Moi, je sais pas chanter, maman. Explique-lui que je sais chanter. Mais oui, elle chante très bien dans la cuisine. Vas-y, chante-nous ce que tu chantais. Allez, tiens. Oh non, mais on aura tout vu. On aura tout vu, hein. Ça n'a jamais été le cas. Mais toi, quand on est tous les deux, c'est l'évidence et c'est tout bleu. C'est l'amour et je l'attendais pas. Mais je ne connais pas de modèle, de modèle à tout ça. J'ai tellement envie. Que je veux au fond de tes yeux quand les chevaux s'envolent, quand les chevaux s'envolent. Je me fous qu'il y ait un futur, on ne connaîtra jamais l'usure tant qu'on se fera cet effet-là. Jeune et con, je sais, et alors, c'est mieux que ceux qui sont déjà morts. Ce qu'on regrette, c'est ce qu'on ne fait pas. Mais je ne connais pas de modèle, de modèle à tout ça. J'ai tellement envie, j'ai tellement peur, c'est tellement tout.
de tes yeux quand les chevaux s'envolent, quand les chevaux s'envolent. Est-ce que toi aussi tu parierais ta vie? Est-ce que ça vaut le coup d'y croire? Est-ce que dans ce jeu on joue vraiment à deux? Est-ce qu'on peut jamais savoir? Je t'aime en vie, je t'aime en peur. C'est tellement tout gris sans ta chaleur. J'espère que tu vois les mêmes choses que moi quand les chevaux s'envolent. J'ai tellement envie, j'ai tellement peur. Ce que tu me donnes est tellement beau. J'aimerais tellement, tellement y croire quand les chevaux Château, mon compositeur, et joyeux Noël à tous.